Bonjour. Enchanté. Vous allez bien? La vie est belle? Je vais mettre le micro plus fort, je sais. Review, le micro, on entend pas très bien. Ouais, c'est bon, je l'augmente, c'est bon. 70. Peut pas faire mieux. Je peux pas monter plus. Je veux dire, c'est take it or leave it à ce niveau-là. Genre, hop. Vous allez bien, bel après-midi. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi hier j'ai dû sortir et j'ai été obligé de mettre une veste? On est bien en juillet. C'est genre inacceptable. Our place. En effet, c'est our place en ce moment. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait réel ce que vous me dites. À quoi ça ressemble à l'heure actuelle? Le climat fait n'importe quoi, c'est pas nouveau. Oh, il a grandi! Ah oh, oui, j'avais pas vu qu'il avait doublé de taille. J'avais pas vu qu'il avait doublé de taille. Et maintenant, il y a des Français à gauche et à droite. Ah ouais. Ah mince. Mon petit renard a disparu dans la manœuvre. Ok, c'est des choses qui arrivent. La Turquie a repris... À un moment, la Turquie se battait contre... machin Blade, là, le mec qui est mort. Et ils ont gagné. Maintenant, il y a deux drapeaux turcs, du coup. Le petit renard est toujours là? Bah plus au même endroit alors. Technoblade. Technoblade, oui putain, comment j'avais perdu Technoblade. Ouais, ils ont fait le même truc que... Il y a des drapeaux turcs partout, c'est le troisième que je vois. Ils ont étendu à droite, ouais, le truc est deux fois plus large qu'hier. Très bien.
C'est une chaise de jardin que j'ai. Comment ça, c'est une chaise de jardin que j'ai? Comment ça, c'est une chaise de jardin que j'ai? C'est... Waouh. C'est une Herman Miller, frérot. Parle mieux de ma chaise. Si je l'avais pas trouvé d'occasion sur le bon coin, sache que j'aurais jamais pu me la payer. Regarde tes MP Twitter pour la part de ta sœur sur Lyon. Ah! Ah oui! Putain, faut vraiment que je... Faut vraiment que je fasse ça aussi. C'est une chaise faite avec des imprimantes 3D. Bah, il est passé où? Quelqu'un saurait me dire où est passé le petit renard? Parce que moi, je le vois plus. Hein. Je crois que le pauvre petit renard, il a été une malheureuse victime des temps qui passent. Aujourd'hui, on va à la Indel. Moins 488. 488. Welcome aboard, Captain. Moins 500, 500. Au milieu. Au milieu? Ah, attends, est-ce que je peux... Comment je vois les... J'y suis presque. Ah! J'ai compris! Hein? Ah, mais ils l'ont pas étendu. Ok, je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Ils l'ont pas étendu K. Ils l'ont étendu des deux côtés, en fait. Je pensais qu'ils l'avaient juste doublé à droite. Mais non, du coup, maintenant, on est au milieu. Alors qu'avant, on était dans un coin. Frère, pourquoi y a trois drapeaux, pourquoi y a trois drapeaux français différents? C'est une dinguerie, ça. Y a quatre drapeaux français? Je comprends rien. Ok, je croyais que le drapeau français tout à gauche, c'était le drapeau français qu'on avait de base, celui où il y avait la guillotine. Mais non, non, c'est juste qu'on a à nouveau fait un énorme drapeau français à gauche. Non, c'est trop, vous avez rien de mieux à foutre que de faire des giga bandes bleu, blanc, rouge, genre. Dessiner des vrais trucs à quatre drapeaux français, c'est honteux. C'est honteux. Par contre, le petit renard est adorable. Il est adorable. Il a un petit itinéraire doré. Tac, tac, qui part, bam, bam, qui va à droite et qui s'arrête. Ok, bon, il aurait pu aller plus loin. Il y a le Blue Corner en alliance avec vous. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Pas de streamer, pas de cohésion pour construire des trucs. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de la cohésion entre streamers. Au contraire. Les endroits où la toile est la plus intéressante à regarder, c'est toujours les... Attendez, est-ce que je peux... Est-ce que je peux streamer le... Place? Est-ce que je peux streamer Place pour qu'au moins vous voyez ce que je vois? Putain, qu'est-ce qui arrive à mes cheveux aujourd'hui? C'est trop. OBS, c'est pas exactement ce que je voulais. C'est pas vraiment ce que je voulais. Oh, ça marche ça. Je zoome. Je sais pas si j'ai besoin de zoomer. J'ai pas besoin de zoomer. Voyons voir. Ozu, clairement toujours là. Sauf que maintenant il s'appelle Inzo. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses étranges. Foxhole, faut absolument que je fasse une vidéo sur Foxhole. Foxhole, c'est incroyable. Ouais, je disais, il n'y a pas besoin de cohérence entre les streamers parce que les moments où la toile est la plus jolie, c'est toujours ce genre de truc. C'est toujours ce genre de machin où il y a 1 milliard de petites communautés qui se mettent d'accord et qui se collent les unes aux autres. Et c'est là qu'il y a 1 milliard de détails par centimètre carré, genre. Parce qu'elles font toutes des petites alliances avec leurs petits voisins et elles font des trucs de fou alors qu'elles ont que genre 40 pixels de large. Et à côté, nous on fait ça. Donc, je veux dire, c'est cool, hein. Mais moi j'étais un énorme fan de la guillotine du premier jour. Je sais que c'est mon côté gauchiste, manger les riches, tout ça, mais la guillotine du premier jour avec la tête décapitée de Spez, moi je trouvais que ça avait un flow absolument hors du commun. Elle est toujours au-dessus du tableau. Il n'y a juste plus la tête de Spez. La guillotine est incroyable. La guillotine était absolument incroyable. La guillotine était folle, genre vraiment le premier jour quand le drapeau français c'était juste une énorme guillotine.
C'était un petit peu edgy, c'était un petit peu Dark Sasuke, je suis prêt à le reconnaître, mais ça avait un flow phénoménal. Oh, mais j'avais pas vu que le... Vous avez fait quoi avec l'itinéraire doré? En fait, il part dans toutes les directions en même temps. L'itinéraire doré fait le tour de la fusée. Et va jusque dans les pneus du GP. Je vais participer. Je vais participer. Comment ça, super examination 42? Ah, let's go. Sur le drapeau allemand, ça insultait littéralement la mère de Spes de prostituée mot pour mot. Ouais. Spes East Ein Hurenzone. Hurenzone? Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. On doit le continuer vers la droite. Je vois, je vois, je vois. Bref. 579, 352, il y a un verre que j'ai pas libéré. Il y a un verre que j'ai pas libéré, je les ai tous trouvés, mec. Mec, laisse-moi te dire que je les ai absolument tous trouvés. En quoi? Attends, on va voir si on arrive à le trouver. 579 moins 352. 579 moins 352. Ouais, petite chérie! Oui. Elle est tellement mignonne. Les petits dessins d'Hollow Knight là, absolument incroyable. Merci pour le sub, Foxou. Ton logo rend vraiment trop bien en haut à gauche du drapeau FR. Il est honnête, hein. Il est honnête. Après, je me fais embrouiller par des gens qui trouvent que ça ressemble à des toilettes. Je ne comprends pas, mais je sais peut-être. C'est peut-être parce que moi, j'ai toujours su que c'était juste trois lettres. Mais peut-être que pour quelqu'un qui a aucune idée de ce que c'est, ça ressemble à des toilettes. Mais après, de toute façon, en vrai, la bonne nouvelle, c'est ça fait 850 ans que je me dis, j'ai fait aucun effort sur le logo, j'ai vraiment juste écrit trois lettres. Il faudrait que j'engage quelqu'un pour le redesigner. Donc, on va peut-être changer de logo. On va peut-être changer de logo soon. Faut que je trouve un graphic designer talentueux pour refaire le logo. Pas parce que je trouve qu'il ressemble à des toilettes, mais vraiment juste parce que c'est genre trois lettres et qu'il faudrait que je fasse un minimum d'efforts. Il est bien le logo? Bah, il est zéro effort, quoi. Il est bien, il est honnête, hein, il fait le taf. Il y a à nouveau des... Il y a des Among Us partout. Il y a des Among Us absolument partout. Non, mais c'est cool, c'est cool. Mon avis sur Elden Ring? Honnête. Honnête jeu. En parlant d'Elden Ring. Bam! En parlant d'Elden Ring. Désolé, désolé, il faut que je me... Wow, j'ai un coup de barre en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. C'est une catastrophe. Je suis fatigué tous les jours. Je suis éteint tous les jours. Cette semaine, j'étais explosé de fatigue lundi, donc je suis allé me coucher avant minuit. Le lendemain, j'étais encore plus fatigué, donc je suis allé coucher à 23h. Le lendemain, j'étais encore plus fatigué, donc je suis allé me coucher à 22h. Et ça ne change rien. Et ça ne change rien. La chaleur, non, mais il fait froid, je suis anéanti, il fait froid là. J'ai du... Je suis allé faire une émission hier, j'y suis allé en veste. J'étais l'homme le plus triste du monde. Sortir en veste en juillet, ça m'a déprimé. Review à la capitale, ouais, j'y vais, mec. Je rassemble juste un petit peu d'énergie avant d'aller à la Indel. Aussi, j'ai pris rendez-vous pour aller chez le coiffeur mardi, mais j'hésite à l'annuler. Je me demande s'il n'y a pas encore moyen de sauver cette tignasse. Oh. Il ira jamais à l'Indel, je vais y aller, mec. Bon, j'ai équilibré. Ouais. C'est ça que je mange probablement pas assez de légumes. Je vais ouvrir une giga boîte de conserve de haricots verts ce soir. Ah, j'ai eu mon nouveau casque. Sans fil. C'est vrai, on m'a ouvert mon nouveau casque. J'espérais qu'il arriverait en 2 jours. MDR, il est arrivé en 4. Il est bien, il est sans fil, le son est cool, il est impec. Il est un peu lourd, mais comme j'ai un cou extrêmement musclé, ça va. Non, le seul vrai problème que j'ai, c'est qu'il est vraiment... Il est fermé, en fait, c'est un casque fermé, pas un casque ouvert, donc il t'isole du monde extérieur. J'aurais préféré un casque ouvert à choisir, mais bon, écoute, tout le reste est très bien. Donc, le truc qui va être gênant, en fait, il est bien pour faire de la vidéo, le truc qui va être gênant en stream, c'est quand je le mets. J'entends plus rien du monde extérieur, donc je vais probablement me mettre à parler trop fort.
Vous voyez le délire de tu t'entends pas dans ton casque, donc tu te mets à hurler. Je sens que ça va m'arriver fort. Quand il va y avoir, là ça va, parce que j'en, y a rien. Mais quand il va y avoir le bruit du combat de boss à fond et que je vais pas m'entendre et que je vais crier, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. À part ça, il est impeccable. Pourquoi il vient de faire bip bip mon casque? J'hésite à changer de téléphone. C'est quoi le tien? Mon téléphone, mec, j'ai un vieux téléphone de Google, le Pixel Phone, mais un des. Ah, et mon Reddit est prêt. Oh, faut que je mette un pixel. Faut que je mette un pixel, mais où? Il n'y a plus besoin de défendre. En fait, comme les coins sont parmi les endroits les plus contestés, donc maintenant que ça s'est élargi et qu'on n'est plus dans le coin, j'ai l'impression que le logo et le renard sont beaucoup moins menacés. Genre, ils sont vraiment tranquilles. Ils sont à un endroit où personne va aller les chercher. Welcome aboard, Captain. Comment ça va, aboard boy? Merci beaucoup. Et comment ça va, Medvide? Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mon Google Pixel est vieux, il date de 2016, le tien est encore tout jeuneau. Mais je l'ai depuis des années, le mien. Hein. Je l'ai vraiment depuis des années, hein. Ça doit pas être un modèle tout jeune. Hein. Elden Ring, ah oui, c'est vrai. Pardon, j'y vais. Pardon, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Bam! Bam! Okay, le jeu. Si le jeu est fort, n'hésitez pas à aller. Le jeu est fort. Le jeu est fort. Pardon. Pardon, 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 je me suis légèrement emporté. Alors, j'ai une question du coup. La musique d'intro est toujours trop forte. Ouais, mais quel flow elle a, mec. C'est le meilleur, honnêtement. C'est le meilleur thème d'intro, tout Souls confondu. Vraiment au début quand il y a la grande corne qui fait pam pam avec les tambours qui font pam 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 pam. Non, c'est le meilleur thème d'intro all time. Devant Dark Souls 3, ouais mec. Ouais, devant Dark Souls 3 mec. Les musiques de Dark Souls 3 sont pas folles, hein. Sont vraiment pas folles. Les meilleures musiques, mec, les meilleures musiques se trouvent dans Dark Souls 1 de toute façon en fait. Tous les classiques sont dans Dark Souls 1 mec. Le thème de Sif, Nameless Song, Orstein et Smaug. Mec, la seule musique de Dark Souls 3 que les gens kiffent, c'est Vort de la vallée boréale parce que c'est dans le même où ça fait pa 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 pa. C'est tout, c'est tout. Je veux pas vous entendre, les meilleures musiques sont dans Dark Souls 1 et en vrai, le meilleur thème d'intro, c'est Elden Ring. PTDR, on a tous fait le même build après Radahn. Écoute, mec, je ne fais que suivre la volonté du chat. Tu sais que je ne suis qu'un vaisseau pour la volonté du peuple. MDR et Pontife Sullivan. Mec, Pontife Sullivan, oubliable pour la simple et bonne raison que je l'ai oublié. Si je suis pas capable de chanter Pontife Sullivan, c'est que le thème est mid. C'est tout. Le thème d'intro d'Halo est lourd. Bah oui, mec, le thème d'intro est lourd. Évidemment que le thème d'intro est lourd. Tu vois, tous les Américains qui ont genre plus de 20 ans sont capables de chanter le thème de Halo. C'est la preuve que le thème de Halo est lourd. Arrête des gens dans la rue et dis-leur chante-moi Pontife Sullivan. Et bon, ouais, bah non. Et dommage. Le thème d'Hollow Knight est meilleur. Moi, j'ai pas été super impressionné par les musiques d'Hollow Knight. Les OST de FF15 égale. Ouais, les OST de FF15, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, les OST de FF15, mon gars. Bam! Où est-ce qu'on va? Ah oui, alors j'avais une question. Et Bloodborne, t'y toucheras un jour? Écoute, acheter une PS4 et faire Bloodborne, c'est dans les donation goals de Make-A-Wish, donc oui. 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 De toute façon, Outer Wilds, les plis, ouais, mais tellement pas le même genre. Tellement pas le même style. Faut voir le genre de jeu que tu fais aussi. La musique d'Outer Wilds, elle marcherait pas dans un Souls. Ah bah mec, le thème de Gwyn. Excusez-moi, le thème de Gwyn, plein plein plon. Encore un classique made from Dark Souls 1. Hein.
Tous les classiques sont dans Dark Souls, hein. Vous savez très bien que c'est vrai, genre. Bon, alors. Le petit piano là. Plin, plin, plon. Le thème du boss de fin de Dark Souls 3 est un des meilleurs parce qu'il est remixé sur le thème de Gwyn. Et c'est tout. Les thèmes des Zelda sont pas mal aussi. Zelda, ils sont forts en musique. Zelda, ils sont forts. On va pas se mentir qu'un petit Gerudo Valley là, en balle. Bam, bam. Le fight était trop facile. Dommage, mais c'est parce que tu l'as pas fait sans parade, sans bouclier et avec une dague aussi. OST Hades. Alors, OST Hades, encore plus que It's in the Blood. Encore plus que la chanson de fin qui est It's in the Blood. Dans Hades, moi, ce que je kiffais, c'était le petit riff au début de chaque run. Le petit... Tu sais que t'entends vraiment au début, quand tu sors de la porte et que tu lances une run. Je le trouve extrêmement reconnaissable. Ça, t'as vraiment... Il est tout simple. Il est tout simple, mais genre, il te met vraiment dans le mood pour mettre des dashs et dégommer des mobs, genre. Comment il s'appelle déjà? C'est bon, j'ai envie de rejouer à Death. Comment il s'appelle? Est-ce que je vais réussir à retrouver le... Hades. Hades OST. God of the Dead. Ça doit être ça. Tu l'as mis dans ta vidéo sur le cinéma, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vrai, vrai. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce que t'entends au tout début. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'essayer de voler une voiture dans ma rue parce que vraiment ça fait... Pain, pom. C'est archi pas ça. Ça c'est le thème de base du jeu. C'est... Ah, je sais. Ça je... C'est genre de Painful Way, genre. C'est... Monte le son de ton micro, je veux pas t'entendre. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je peux pas. Je peux pas, en fait. Par contre, je peux mettre un compresseur. Je mettrai peut-être un compresseur. Bref, voilà. Accessoirement, vous voulez que je vous remette le début de Purple Rain? Il y a vraiment... Des fois, ça m'arrive de temps en temps de refaire des petites runs de Risk of Rain 2. Et vraiment, quand t'arrives dans le cinquième monde... Quand t'arrives dans le cinquième monde et que tu te fais accueillir par Purple Rain, t'es toujours trop heureux. Le thème est phénoménal. J'ai un peu de mal avec les musiques de Risk of Rain 2, pour être honnête. Je trouve elles font... Il y a trop de grands solos de guitare électrique qui me flinguent les oreilles. Et d'ailleurs, même dans Purple Rain, la fin, elle me fracasse le crâne, hein. Mais le début de Purple Rain, il est phénoménal, genre. Non, pas Purple Rain de Prince. Un son de Risk of Rain 2 qui s'appelle The Rain Formerly Known as Purple. Mais personne va dire ça en entier, donc tout le monde l'appelle Purple Rain ou juste Purple. Mais non, pas, non pas celle de Prince, non. Ok. Du coup. Qu'est-ce que je pense des musiques d'Undertale? Elles sont incroyables, frérot. Les musiques d'Undertale, elles sont absolument phénoménales. J'ai grand respect sur les musiques d'Undertale. Attendez, quel est où mon feu? Non, c'est pas Viaduc en jambant la forêt. C'est pas Arbre Fantôme du mur extérieur. C'est ça que je voulais. Colline face à l'arbre monde. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Pourquoi il pleut encore? J'en peux plus. J'ai envie de mourir. Oh, parlez à Mélina, ça fait longtemps. Comment ça va, ma vieille? L'arbre monde est proche.
Poursuivons jusqu'au pied de l'arbre monde et vous aurez tenu votre part du marché. Je suis né au pied de l'arbre monde. C'est ici que ma mère a défini le sens de ma vie. Ok. Ok, very good. C'est vrai que je vais peut-être continuer à baisser un petit peu le jeu. De fait, depuis que j'ai le nouveau casque, j'ai un mal fou à équilibrer entre le son dans le casque et le son du micro. Hier sur Discord, c'était une galère sans nom. Je vais faire des... Bon, pour une fois, je vais faire des tests. Et vous allez me dire ce... Vous allez pouvoir me dire sans que je m'énerve où on en est entre l'équilibre du micro et l'équilibre du jeu. Parce que là, j'avoue, en fait, le nouveau casque a un peu foutu le zouk dans tout, genre. Ok. Mets-le sur une oreille, le temps de paramétrer. Ben, en fait, moi, j'ai besoin de savoir ce que vous entendez, genre... Faire passer le temps, jusqu'en matin... Non, je me suis pas trop fait spoil le jeu. Jusqu'à midi. C'est dommage. Est-ce que vous savez ce que je fais depuis tout à l'heure? J'essaye juste d'avoir une vue correcte de la ville en fait. Oh, let's go. Voilà, c'est là qu'on va. Et j'étais en mode le brouillard est en train de cuck mon intro, mais tranquille. Donc c'est là qu'on va. Donc j'ai une question. Est-ce que je suis censé rentrer par là? Par là, genre. Par là? Ou par là? Parce que le truc c'est... Plein de gens dans le chat m'ont dit t'es censé passer par Rempart de la Capitale. Mais en fait je pourrais parfaitement rentrer par Pont Divin. Parce que j'ai fait un test rapide quand j'étais hors stream. Et en fait ici il y a un ascenseur et l'ascenseur mène à une cour intérieure en fait. Impossible par Pont Divin, mais je suis pas bloqué du tout, je vous jure que je suis pas bloqué hein. Je suis pas allé plus loin que ça parce que je voulais savoir s'il y avait deux routes, mais il y a effectivement deux routes hein. Si je descends par là, il y a une cour intérieure et je peux me barrer dans la ville avec hein. What the fuck, t'es pas censé l'avoir cet ascenseur? Et pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir cet ascenseur? Ça fait deux fois qu'il y a une voiture qui... implose dans ma rue, donc je suppose que le cambrioleur de voiture a eu peur, a attendu 5 minutes que l'alarme s'arrête et a retenté sa chance. Il se débloque par le bas, il faut le débloquer d'en bas normalement, c'est pas normal. Mais il se débloque pas par le bas parce que elle est ici la manivelle. Genre littéralement tout ce que j'ai fait hors stream, je suis jamais passé en bas avant, je sais pas ce qu'il y a en bas, mais tout ce que j'ai fait hors stream c'est que je suis arrivé ici, j'ai activé cette manivelle et ça m'a fait monter le pont hein. Et c'est tout genre. Et depuis j'ai le pont parce que je l'ai appelé avec la manivelle. Elle y était pas avant, je suis sûr à 100%, peut-être depuis une mage. Manivelle, c'est pour le remonter, mais il s'active d'en bas. Peut-être qu'il se débloque en entrant à l'angle. Bah, je l'ai manivelle, hein. Quel flow ton perso? Oui, mec. Extrêmement edgy. Extrêmement dark, mais quel flow? Je peux pas, normalement. Vous êtes en train de dire que je pourrais explorer la ville dans le mauvais sens? Avant, tu pouvais pas dans l'eau. Wow. Dodge. Et donc voilà, et donc ce que j'ai vu ici c'est qu'il y a une cour intérieure, il y a des vierges de fer un petit peu partout. Et ici il y a une porte, voilà. Et il fallait que j'ouvre cette porte. Et d'ailleurs, mais je vous jure qu'on est censé arriver de ce côté là, parce que cette porte elle s'ouvrait de mon côté genre. J'ai pu l'ouvrir parce que j'étais là. Et je suis arrivé ici, voilà. Et donc là je suppose que je suis dans l'Indel. Je suis pas allé plus loin que cette pièce en fait. Je sais pas ce qu'il y a après. Je vais même pas ramasser ça d'ailleurs.
Chapeau pointu d'Alberich, robe d'Alberich, brassard d'Alberich. Excellent. Wesh, c'est de la triche. C'est depuis le rempart. En fait, là, je suis vraiment... Non, mais là, je suis vraiment dans l'Eindel, hein. Il n'y a pas de galère. Je suis vraiment dans l'Eindel, hein. T'es à la fin. Welcome aboard, Captain. Merci pour les 5 subs, Abola. Il a pas regardé la pièce. J'ai pas regardé la pièce. Bon, vous voulez qu'on le fasse dans l'ordre tel qu'il était prévu? J'aimerais bien... En vrai, j'aimerais quand même comprendre pourquoi j'ai eu droit à cet ascenseur, genre. En vrai, je pense que tu devrais prendre le chemin normal. C'est bon, c'est bon. Je vais prendre le chemin normal. Ok. Ok, 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 ok. Welcome aboard, Captain. 1, 2, 3, viva Alberich. J'avoue que tu le fais à l'envers. À mon avis, c'est quand tu t'es TP. Frère, c'est arrivé plusieurs fois, il va falloir être un peu plus précis. Parce que t'es entré dans la ville par le TP1. Ok, on y va. Alors, si je me souviens bien. Le TP après Fortisax. Ouais, la vue est absolument incroyable. Mais en fait, il y a trop de vues incroyables. En vrai, si je devais faire une vidéo sur Elden Ring, je parlerais principalement de ça. Du fait que malgré que c'est une map ouverte, ils ont pensé tous les points de vue du jeu. Ils savaient très bien par où t'allais passer. Ils ont sculpté les ravins et les collines et les vallées pour que t'arrives toujours avec des vues de fou. Genre, la vue sur l'Eindel est folle. Mais c'est pareil sur le manoir du volcan, et c'est pareil sur le château de Val-Orage, et c'est pareil sur l'académie de magie, et c'est genre, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, peu importe la région dans laquelle t'es, ils ont sculpté le relief pour que t'aies pas d'autre choix que d'avoir une vision de carte postale. C'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Ils le font, pour le coup, ils le font mieux que n'importe quel open world. Ils le font... C'est pas compliqué, chaque arrêt égale fond d'écran, ouais c'est ça. Et ils le font, pour le coup, ils le font mieux que Breath of the Wild. Ils le font mieux que l'Horizon, les Assassin's Creed. Ils le font vraiment, ils sont trop trop forts pour ça. Vraiment, l'art de mettre le chemin exactement au bon endroit pour que le château surgisse exactement au fin fond de ta vision, genre, ils sont très très forts. Ils arrivent à setup les points d'intérêt pour que ce soit majestueux. Ouais, mais même pas que ça, enfin genre, oui. Mais ils utilisent le relief, ils sculptent les montagnes pour diriger ton regard, enfin genre, c'est vraiment bien fait, genre. Ils le font mieux que The Witcher ? Bah, ils le font mieux que The Witcher. Après, ils ont un avantage. Ils ont un avantage, c'est que c'est de la haute fantasy. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Genre, ils ont pas besoin d'être semi-réaliste comme The Witcher. S'ils ont envie de construire un château au sommet d'une montagne avec des dragons qui tournent autour, tu vois, ils peuvent. Les bâtiments dans Elden Ring, ils ont aucun sens. Le manoir au sommet du volcan, c'est un truc, tu vois, c'est une dinguerie. Genre, ils peuvent se permettre de construire absolument ce qu'ils veulent. Là où The Witcher pourrait pas, tu vois. Et tu viens de louper une Golden Seed? Je pense que c'est elle qui voulait pas de moi, mec. En ça, avoir une... où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis et où est-ce que je suis censé aller? Ah, j'étais censé passer là-dedans! Ou pas? J'ai déjà perdu. En ça, avoir un style extrêmement gothique, ça aide de fou. Parce que Breath of the Wild, par exemple, Breath of the Wild, le but c'est que la map elle a l'air vraiment sauvage. Il y a très peu, de gros bâtiments qui claquent de loin, à part le château d'Hyrule. J'ai pas trouvé le vaisseau. Ah ouais, incroyable. Une graine dorée. Vite, pas sauvage. Waouh. Le mensonge. Le vilain mensonge. Allez, tout sauf vite. Ok, je prends, hop là, cette grâce. Les temples, ils ont du flow malgré les Breath of the Wild, malgré la texture, c'est vrai ça. C'est très très vrai ça. Bon, c'est un peu tous les mêmes, mais c'est très très vrai quand même. T'as un chevalier des ténèbres ici. Si tu viens de nuit. Ah, mais j'en ai déjà fumé un sur le pont, mec. J'ai même découvert. J'ai découvert qu'il y a certains endroits où de nuit il y a un truc qui s'appelle des oiseaux du cauchemar qui pop, des trucs horribles avec genre une tête chauve et des grandes jambes. Je suis tombé sur l'un d'entre eux, sur mon perso que je joue hors stream, mais attendez, mais je suis.
Je suis extrêmement overleveled pour la zone, je suis en train de les fumer, genre. Depuis tout à l'heure, je raconte ma vie en distribuant des hits et genre je one shot des mobs. Tu crois faire quoi, toi? Ah, il a un shield. Oh non! Ah, ils m'ont interrompu pendant que je le. Aïe! Oh, faut pas me sniper. Ils m'ont interrompu pendant que j'étais en train de le goumer. Quand est-ce que t'as eu cette épée de fou? Enfin, attends, excuse-moi. Je suis mort. Bon, c'est bon, non? Ils sont insupportables. J'ai arrivé. Hop là, fallait juste courir sur le côté. Non, pas de magie. Je suis légèrement overlevel pour la zone, mais bien sûr que je suis overlevel pour la zone. Regardez comme je me suis fait Vico, si je suis pas mort. Là. Oh, Marine, je suis extrêmement overlevel pour cette zone. Après, il se peut que ce soit du pur talent. Hein. Il se peut que je sois pas over level, il se peut que je sois trop talentueux pour la zone, j'écarte pas cette possibilité. Tous ces points en force qui n'aident pas contre les flèches. Mais ils aident à one shot le propriétaire des flèches juste après. Ok, donc j'étais déjà venu, je me souviens pertinemment que j'avais monté cette pente. Je sais plus trop ce qui s'est passé après. Deux cavaliers, mais ça rigole. Ça. Ah, double. Oh, double sentinelle. Ah, double sentinelle. Bon, j'ai. Double sentinelle de l'arbre, pardon. Oh, wow. Tu es niveau combien? Dans les 90, je dirais. Double sentinelle de l'arbre, mais what? Non! Pourquoi je les rate? 1. 2. Aïe! Alors, le truc avec eux, c'est que vraiment, ils ont une range débile. Vraiment, le bâton, il tape long. Wow. Si j'avais pas accéléré sur ça, c'est la fin des haricots. Et ils sont deux, en fait! C'est surtout ça le problème qu'on a. Aïe! Oh non, s'il vous plaît. Je suis stuck! La collision. C'est la faute de la collision. Yeah. Ok, j'ai perdu 52 000 âmes, mais c'est pas très grave. Alors là, il va se passer un truc malencontreux, c'est je vais courir tout droit, je vais avoir la flemme de tuer les trash mobs, et je vais me faire tirer dans le dos par les archers pendant que je vais essayer de me faire les sentinelles. Aussi, accessoirement... Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc important qui est en train de m'échapper. C'est globalement le seul problème que j'ai eu avec ce jeu. Les sentinelles? Les sentinelles de l'arbre? Être à pied serait pas plus facile? Perdu. Ah ouais, j'avais 55 000 âmes quand même, donc ce serait bien que je les. Alors il faut s'occuper des archers en premier. Bien vu, frérot. Quelle bonne idée. Heureusement que t'es là. Quoi, c'est tout ce que je leur fais? Oh, oh, ça va être insupportable. Et en vrai, elles, ils sont loin. Non, mais attendez. Les sentinelles sont loin. Les archers auront des aggros d'ici à ce que j'y arrive. Conseil, tue les mobs. Conseil, pas mourir. Conseil, t'appeler, mais ne les laisse pas te taper. J'y vais, mec. Merci pour le sub, Poluki. Et merci, Nitoki. C'est dommage. C'est dommage, il reste un problème de collision, très clairement. Ouais. Je peux essayer à pied, mais quelque chose me dit que ça va très mal se finir. Ouais. Conseil, poule les sentinelles une par une, est-ce seulement possible? Fais des attaques sautées. Je le sens pas. Double sentinelle, c'est infernal en vrai. Je pense que c'est beaucoup plus facile avec le canasson. Moi je pense que t'es underleveled. Non mec. Je suis overleveled et overskilled. Faut juste comprendre. Et Ovius ça a offert un mode abonnement. Putain, on avait dit plus de cadeaux et Ovius, c'est très grave. Et Ovius ça suffit. Hop là, non. Pas de trompette. Pas d'épée, pas de lance, pas de pote, mais arrête! Okay, donc le
Hulk avec une lance et un bouclier officiellement Hulk. Je vais essayer d'avoir la grosse missile 500. Ça pourrait changer la donne. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Je pense que j'ai pas besoin de flinguer les archers. Et attirer une derrière la porte pour la tuer discrètement. Alors là il va se passer un truc marrant. Je vais devoir aller chercher mes âmes derrière elle. Ouais. Il y en a une qui m'a vu un tout petit peu avant. Alors qu'est-ce que c'est si je passe la porte? Il a fait comme s'il n'y avait pas de porte. Intéressant. Peut-être les séparer. Ok, au moins ici j'ai nettement plus d'espace. C'est beaucoup mieux que de se battre sur une pente. Hein. Les pentes, je sais pas pourquoi ça m'embête. Hop là, touché. Touché encore. Oh, je l'ai vu lever son arme, j'ai fait ouvre. Oh, s'il vous plaît, dans cette blague, faubourg de la capitale. Non mais c'est parfait. On va les affronter ici. Vas-y, mets un coup de lance. Quoi, non? Je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Ok, j'ai le droit d'être derrière la porte, mais pas d'être derrière. Là, tu serais pas seul, ma vieille? Non. Oh, je de cette lance. Je continue d'halluciner des années après. Fallait mettre un petit coup d'accélération. Fallait mettre un petit coup d'accélération maintenant. Bam, petit coup d'accélération. Il a tapé avec sa torche. Il a essayé de me mettre un coup de torche. Moi j'ai réalisé qu'il y a une torche. Hop là, facile. Là c'était du grid, c'était du grid, c'était du grid. C'est du grid, voilà, il tape parce qu'il est nul. Moi je tape sur lui parce que je suis fort. Hop là, là il tape dans le vide parce qu'il est nul. On va retaper. Merci. Ok, magistrat, j'aurais dû être sur lui. Mauvais timing, mon bad. La range, c'est ce que j'ai pas en vrai. C'était quand j'avais un sac. Vraiment, il y a eu une sacrée upgrade au niveau de la range. Tu te rends pas compte. Retape, frérot, retape. Oui. Udune. Combien de je gagne d'âme pour une sentinelle? S'il vous plaît. Rien du tout. J'ai gagné 0. J'ai même pas gagné un objet. Il faut peut-être que je les tue les deux. Il pleut. J'en peux plus, frère. Faut tuer l'autre. J'y vais. Elle perd rien pour attendre. Tu jouais quelle arme avant ça? Scimitar, mec. Autant te dire que je faisais pas beaucoup de dégâts. Salut BG, salut la friteuse. Passe un bel après-midi. Bam, il tape par terre avec son shield. Oh là, canasson. Canasson a exactement un point de vie. Hop là. Hop là, dodge head parce que je connaissais parfaitement la distance. Je connaissais parfaitement la distance. Elle a un bouclier, ouais, elle a un bouclier, elle. Un peu, elle avait une porte. Hop là, dodge head. Oh, je suis passé en dessous. Eh, le mec qui a mis de la pente ici, c'est un génie. Bravo From Software pour votre design d'arène de boss. Ah, il est pas mal. Vous vous foutez de ma gueule. Oh non. Oh non. C'est ma chance, c'est maintenant. Ennemi abattu. J'ai gagné 20 000. J'ai gagné 20 000, un pavois de l'arbre monde et une ruine de héros en avant. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Hein. Donc là, voilà. Je suis venu ici. Donc là, je suis quasiment sûr que la dernière fois, j'avais juste honteusement dodge les sentinelles. Déjà. Hop là, petit reset des potions. Alors, ça paraît ridicule, mais ça me déprime vraiment au plus haut point qu'il pleuve. Donc je vais vraiment faire passer le temps en fait. Je suis désolé. Et t'étais retombé sur Margit, mais oui, c'est ça. C'est ça, et là-bas il y avait Margit, mais genre pour aucune raison, genre. Il y a quoi là? Ah, il y a une grotte. Vous savez combien de temps j'ai compris? Vous savez combien de temps il m'a fallu pour capter que genre point orange sur la map ça voulait dire grotte? Il pouvait pas mettre une pioche
un symbole, un truc, un machin. Non, non, non. Brûlure orange sur la map égale entrée de galerie, genre. Il m'a fallu 60 heures pour comprendre ça. Tomber de l'arbre. Bah. Mais oui. Mais frère. Mais c'est comme les loups, ça c'est encore un coup des loups à gants. Hein. Oh. Je ne pas rien. Aïe. J'ai bol. J'ai bobo. Là il va taper. Voilà. Ouais, oh, oh. J'ai survécu, c'est exactement ce que j'avais prévu depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait ce coup? Je sais pas si je suis mieux à d'autres canassons ou pas en fait. J'en peux plus de cet ennemi, je vous jure. Je fais des cauchemars de cet ennemi. C'était quoi ça? Hop là, dodge. Hop là, attaque sautée. Dodge à nouveau. Eh ouais, mec. Je crois que mon timing était passé, c'est quoi ça? Ah oui, c'est la P2, colonne de flamme. Hop là, j'en profite pour rappeler Torrent, my boy. Ouais, mais en fait, je peux pas rouler. Ouais, je peux pas rouler à travers sa charge si je suis sur Torrent. C'est un problème. Et j'ai pas l'espace que j'avais dans le volcan. Dans le volcan, ça valait le coup d'avoir Torrent parce que vraiment, on se battait au milieu d'une giga prévue. Ici, j'ai pas d'espace. Non, non, les flammes, je me les suis toutes prises, toutes. J'ai pas dodge une flamme. Peut-être. Je vais prendre la queue. Ouais, c'est bon, voilà, là, il va se défier. Voilà, let's go, j'ai mis un dodge pendant le fight. Vous pouvez pas dire que j'ai été nul. Le dernier coup n'a pas connecté. C'est pas grave. Tout coup. J'ai été atroce. Hein. J'ai été horrible, j'ai rien dodge. Je l'ai face tank. J'ai fait un truc que t'es pas censé avoir le droit de faire dans un Souls. J'ai pris tous ses coups de front et j'ai juste tanké plus longtemps que lui. Bah bien joué à moi. Juste, ouais. Fouille le camp. Qui tu dis de foutre le camp en fait? Ah ça j'ai jamais fait du jeu ça. Je sais que t'es censé attaquer les diligences tirées par les géants pour voler des trucs dedans, mais je l'ai jamais fait du game. Encre. Salut Review, alors tu kiffes Elden Ring? Non mec, je déteste le jeu, c'est pour ça que je le stream. Fléau des géants, c'est une dingue ça. La commu me soutient? Comment ça la commu te soutient? Comment ça la commu te soutient? Évidemment tu leur offres des subs. Évidemment qu'ils te soutiennent. Juste pas pour les bonnes raisons. Le meilleur marteau du jeu. Ah ok, très bien. Je vais aller checker ce... C'est quoi cette... Il y a des ruines, ouais, il y a des ruines en haut de cette colline. Vous le soutenez à quoi exactement? À utiliser son argent dans le vide, genre? À être pas raisonnable? A pas payer son loyer, c'est à ça que vous le soutenez? Hop là. Église de l'arbre monde mineur. Oh, un mini arbre monde, il est adorable. C'est pas une petite pousse dorée comme d'habitude, c'est vraiment un mini arbre monde, mais genre, c'est déjà un arbre. Je paye pas de loyer, ma tante m'héberge. Mais elle a peut-être pas envie de t'héberger toute ta life, frérot. Saut de l'ordre d'or. Récupère l'argent des subs. Et achète une maison. Je réalise qu'il y a peut-être pas assez dans les subs pour acheter une maison. Mais économise. J'ai presque 100 heures de jeu. Et je savais même pas que tu pouvais piller tes diligences. Mais en fait, le problème... Moi je l'avais vu, je pense que je l'avais vu tôt dans les démonstrations de gameplay, dans les premiers trailers, mais le truc c'est que j'avais pas compris que tu pouvais pas le faire si elle est en marche. Tu dois tuer les géants pour avoir l'option d'ouvrir le coffre. Et ça j'avais pas capté genre. Ah, je l'ai raté un coup, bougez pas.
Et là, il y a un petit assassin en embuscade. Et je... Ah non, c'est pas un assassin, c'est une gerbille. J'ai vraiment cru que c'était un assassin. Ok, très bien. Donc il est censé y avoir une galerie. Il est censé y avoir une galerie dans les environs. L'ascenseur est donc là-haut. L'ascenseur est donc là-haut et si je descends straight ici, il y a une galerie, genre. Vraiment ? Vous êtes sûr de vous ? C'est impossible. Ah ! Ah ouais, non, elle est genre basse. Ah ouais, elle est basse. Est-ce qu'il y a un truc cool dans cette galerie ou vraiment on s'en fout et on va à Lindel? Ok, on va... Il y a un truc cool. Quelque chose de pratique. Toujours cool les galeries. Bah, ça donne des matériaux de craft. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas assez. Il y a même deux trucs cool, non. Non, deux trucs cool, c'est Noël. La galerie la plus cool est au nord et au nord dans les douves. Ah, si elle est là, elle est pas indiquée sur la map. Oh, un petit truc qui gambade, attendez. Faut que je l'attrape, je vais jamais l'attraper avec mon arme super lente. Non mais nous le bout. Y'a pas un truc qui vient de ma gros là? Attendez. Ouais, d'abord on chope le scarabée. Et après on réfléchit. Je vais jamais l'avoir. Il est si rapide. J'arrive. Non mais trop fast, qu'est-ce que je dois faire? Je vais l'interrompre. Ok, j'ai réussi à croiser sa route mais j'ai pas tapé assez vite. Non! C'était la bonne! Pré-shot. Tu l'attends. Je suis dessus là. Hein. Je suis dessus là, donnez-le moi. L'arme est trop lente. L'arme met une seconde à taper. Help. Et il fait un virage, il m'a dodge, non. Non, c'est terrible. Pourquoi il y a des limaces sur ma route? Faut l'attendre au tour d'or, laisse-moi trop. Là c'était. Non, monsieur l'arbitre. J'étais tellement dessus. J'en peux plus. Moi j'avais abandonné celui-là. Non mais ça, de fait il va devoir repasser ici. Il va devoir repasser ici et j'ai une super attaque qui attire les choses. Est-ce que vous pensez que ça va marcher sur lui ? Bien joué à tous. Félicitations. Non, il était chiant, genre. Là, ce scarabée méritait... Ce scarabée méritait de se faire oblitérer par le trou noir. Hein. C'est bon. Il était relou. J'ai nuke le scarabée sans vergogne, mon gars. Dans ma tête, bah double jump, mec, je te jure, j'ai appuyé sur A une deuxième fois et il ne s'est rien passé. Et je pense que le jeu avait déjà décidé que j'allais mourir quoi qu'il arrive en fait. L'idiot, mec, j'étais censé retomber sur le courant d'air. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, genre. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Elles sont où mes runes? Elles sont en haut. Fuck, elles sont en haut, ok. Gagner contre un scarabée et perdre contre la gravité, mec, la gravité est plus forte que tout le monde dans le jeu. Le scarabée a perdu contre la gravité techniquement. Et le mob avec des ailes d'ange qui a tenté de me charger et qui est tombé a aussi perdu contre la gravité. Il y a beaucoup de gens qui perdent contre la gravité dans ce game. Bonjour, est-il à Lindel? Bah tu me dis frérot.
Est-ce que la map est grande? Oui. Pas aussi grande que tu crois dans les premières heures de jeu. Parce que MDR, en fait, tout le milieu... tout le milieu, c'est de l'eau, genre. Au début tu commences là. Tu débloques la carte de la première région. Tu vois que ça part à l'est. Et tu vois jusqu'où ça part au nord. Et tu te dis, frère, c'est une dinguerie. Et en fait, genre, il y a un solide 40% d'eau ici, genre. Mais la map est grande, quand même. C'est quoi ces trucs qui brillent? Pourquoi il y a des laves de feu hein? Des larves de feu? Des limaces de feu? Un solide 40% de DLC? Tu penses vraiment que le DLC va juste foutre un continent au milieu de la map? Je trouve que c'est ça qui va se passer. Elle est quand même énorme. Ouais, la map est grande, surtout qu'en plus il y a les zones souterraines que tu vois pas. La map est grande, hein. Y a pas de galère. En vrai, oui. Non, mais en vrai, oui, vous êtes tous délus. La map. Le DLC fait apparaître Rapture, vous êtes tous délus. Le DLC, il va être comme tous les DLC de tous les Souls. Il va déjà l'entrée va être introuvable. Ensuite, il y aura un PNJ random qui te téléportera dans une map qui n'a rien à voir avec celle-là et ce sera tout. Et vous ferez le DLC là-bas. Hein. Et vous vous plaindrez pas. Le DLC sera sur la même map. Ah ouais, tu penses? Tu penses? Je suis toujours abasourdi du fait que ce soit impossible de trouver l'entrée du DLC de Dark Souls 1 si tu te fais pas aider par internet. Faut dropper un objet random sur un mob qui était déjà là avant le DLC mais qui dropait pas l'objet. Puis aller parler à un PNJ random en ayant genre aucune indication. C'est-à-dire que tu payes, je m'en remettrai jamais. Tu payes pour un DLC, mais si t'as pas une connexion internet, tu ne rentreras jamais dans le contenu pour lequel tu as payé. Genre. Ça me fatigue quand même. Ça, c'est vraiment un truc qu'il y a que les studios japonais qui se permettent. J'ai toujours pas compris c'est quoi ce truc ni à quoi il sert. Mais voilà. Est-ce qu'elle est là ma galerie? Est-ce que c'est... Ouais, ok, on est clairement au bon endroit. On est clairement au bon endroit à l'aventure. On explore une galerie, monsieur. La prophétie de l'augure Augustin. L'augurstin. Quoi? Il sort quand le DLC? Ça, c'est une excellente question, frérot. J'ai cru que... Bah, j'ai cru au dernier Summer Game Fest qu'on allait nous faire une annonce de fou furieux, mais j'ai eu Final Fantasy XVI à la place. Mais bon, apparemment, il est GOTY, donc je devrais m'estimer heureux. Est-ce que vous savez à quel point elle est bien la vie quand tu joues magicien et que tu peux juste one-shot ces foutus? Oh non. Tu peux juste one-shot les mineurs parce qu'ils ont pas de résistance à la magie. Zelda TikTok et pas GOTY, t'es délu. J'ai payé un gars pour me faire une liste des ads Twitter de tous les gens qui m'ont insulté après Popcorn. Juste parce que je suis quelqu'un d'extrêmement nul. Et le jour de l'annonce du GOTY, on verra ce qui se passera sur Twitter, quoi. Moi, comme ça, je te paie mon salaire. Combien tu veux pour me faire une liste? Combien tu veux, juste pour me faire une liste de tous ces gens? Ça va, mec? T'attends quelqu'un? T'attends plus personne. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait perle de mineur de pierre de forge. Ah, c'est une de ces fameuses... C'est une de ces fameuses perles qui me permettent d'acheter des pierres de forge pour que j'arrête de pleurer sur le système d'upgrade du jeu. Ça ne sert à rien, messieurs, dames. Je pleurerai quand même. C'est très simple, hein. Si je peux pas tomber un boss, dropper son arme et me mettre immédiatement à m'en servir dans la zone d'après, c'est juste un mauvais design. Qu'est-ce que je suis censé... Qu'est-ce que je suis
censé faire de ma vie maintenant. Dommage. Ça ressemblait à... Par ici, tu m'as menti. Il peut pas y avoir un autre gothique que Tears of the Kingdom, les amis. Vous comprenez pas, en fait. Let's go! Une route! Vous comprenez pas... Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Je vous expliquerai un jour. Juste aujourd'hui, j'ai la flemme. Toujours pas à Leyndell, mec, je suis sous Leyndell, vraiment, ça compte. Je suis dans la galerie de Leyndell, mec. Il y a même une chance, pas à 0%. À quoi ça sert de foutre des murs invisibles dans des endroits où c'est clair et net qu'il y a des murs invisibles, en fait? Qu'est-ce que je disais? Il y a même une chance raisonnable pour que cette galerie débouche à Leyndell quelque part. Ce serait pas déconnant, en vrai. J'ai tellement été programmé par Dark Souls, je fais toujours descendre l'ascenseur solo au début. Ah, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Verrouillage de cible nécessaire et donc attention, ennemi fort. Ennemi fort? Ouais, ennemi fort, il y a... Il y a moult... Ouais, il y a moult taches de sang dans la pièce en bas, c'est un peu inquiétant. Hop là. Bam bam. Je comprends toujours pas à quoi sert cette... Ouah, ils sont 18 000. Non. Non. Les hachoirs, jambières de miliciens vulgaires. Est-ce que je me jette... Est-ce que je me jette au combat ou est-ce que j'explore comme un mec intelligent le reste de la caverne? Ok, il y a une effigie de Marika ici. Il est pas possible d'aller de l'autre côté par là. Bon, en fait, l'effigie de Marika est pour... Si je me fais tuer au fond de la grotte, ok. Allons-y. Allons-y. À nous deux. Il se passe quoi? Oh. Ah, ok. Mais je suis un petit peu un professionnel de ça, en fait. Je sais pas si vous savez que... Je les connais. Ah, et non. Très légèrement. Très légèrement, belle. Je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer, mais elle était trop proche de moi, donc la caméra la rendait plus. Et donc j'ai dodge les bras. J'ai dodge les bras juste parce que je connaissais le timing. Mais je pouvais plus les voir. Donc voilà. C'est le moment où vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube par tout respect pour mon talent, voilà, c'est le bon moment. Qu'est-ce que je suis censé faire de... C'est fini? Toute la galerie, c'était ça, genre? J'ai fait une perle et une vierge? Je tape tous les murs maintenant. Je tape tous les murs! Attendez, les messages vont me dire la vérité. Lit droit devant. Oh, il y a un truc dans la... Il y a un truc dans la statue. Est-ce que je peux la casser? Ange en vue. T'as oublié une pierre de forge. Toi non, le mob oui. Le mob? Non. Ok, voilà la pierre de forge qui manque. Okay. La vierge détruit la statue, je refuse de le croire. Je refuse de le croire, mec. Ça, ce serait... La statue, faut casser avec la vierge. Pétable que par les mobs. C'est la troisième statue fêlée du jeu. Fallait pas tuer la vierge. Quoi? Seule la vierge détruit la statue, vous mentez. Il y a jamais eu cette mécanique depuis le début du jeu. Ça paraît plausible, mais en même temps... Ça paraît pas plausible. J'ai pas de... Aïe. J'ai pas de petite pointe TP pour ramener tout en haut. Je suis obligé de retourner à l'entrée comme un débile. C'est le plan. Il y en avait d'autres mais tu les as même pas remarqués. Ok. C'est pas fini. Oh! Attendez. Je crois que je vois la suite. Je
crois que j'aperçois la suite. Alors attendez, tac, 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 tac. Ouais, en face c'est un cul-de-sac, mais du coup ça doit être ici. Ça doit être ici, non? Wow. Clé lampière, c'était pas du tout ici. Pas très grave. Ah, alors peut-être. Oh, c'était ça. Oh là. Ouais. Très très bien. Très très bien. Hop là, petite pierre de forge. T'as même pas tapé le mur. Quel mur? Quel mur, frérot? Il y a des gens qui se prennent des bannes de une seconde. Hop là, réplique de grâce. Bonjour Ryu, c'est joli Lindel, mec, je te jure que je suis à Lindel. Je te promets. Je te promets qu'à quelques mètres près, je suis à Lindel. Ça compte. Ah. Très bien, donc la blague de cet endroit, c'est qu'il y a des mines partout. Derrière la clé de lampière. Ah mince. Ok, au pire on y... T'inquiète. On ira rejeter un œil. De toute façon, il n'y avait pas de vieux crocs. Comment je remonte ? Passage dérobé. Putain, c'est... Elle rend fou cette grotte. Elle rend bête cette grotte. Attendez, je vais avoir besoin de... Je viens d'appuyer sur un... Je viens d'appuyer sur un bouton sur mon casque et ça a lancé la vidéo YouTube. Il y a une option quelque part sur le casque, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais il y a une option quelque part sur le casque pour balancer le son YouTube, genre. C'est une dinguerie. C'est la vidéo qui était ouverte sur mon YouTube. Pour ceux qui connaissent pas, c'est The Rain, formerly known as Purple, de Risk of Rain 2, et c'est une musique incroyable. Tout ce que j'avais à dire. Hop là. Petite pierre de forge. Oh, j'ai troll. Non, tout était calculé. Ok. Oh, mais ça débouche sur des trucs qui sont encore plus anciens que la galerie, incroyable! Oh! Le délire de, on a creusé une galerie et on a trouvé l'entrée d'une vieille ruine avec quelque chose de maléfique dedans, c'est vraiment un classique de chez les classiques. On dirait le début de Darkest Dungeon. C'est exactement la même chose. Merci pour ton sub, ZBlubl. Ah, Seigneur Donix, ok. Ils ont trouvé le... Les nains ont creusé trop profond pour trouver le seigneur de l'île. Qu'est-ce qu'il fait sur le... Non, je l'ai trouvé. C'est quoi ces dégâts misérables? C'est pas comme ça que tu vas m'avoir, toi. C'est pas la première fois que je croise ce mob. Oh. Excuse-moi. Y'a un problème? Bah, ouais, frérot. Bah, ouais. Oh, je l'ai vraiment bonk.
Je l'ai vraiment bonké, genre. Alors maintenant j'ai le truc pour revenir au début, mais maintenant j'ai une route, donc j'ai plus envie de revenir au début. Et voilà, je suis à la Indel, j'en étais sûr. Ah, je suis pas du tout à la Indel. Est-ce que je suis... Ok. Je suis pas du tout à l'Endel. Je suis à une tour. Les tours qui servent à activer les runes majeures, mais je suppose que celle-ci sert à activer la rune majeure du boss de l'Endel, qui doit être Morgoth, c'est ça? C'est bloqué, va te faire foutre. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on y retourne. On avait commencé de... là. Tranquille. T'as un feu à l'entrée plus rapide. Je calme un tout petit peu le bruit du jeu parce que là... Ok, donc je mets mon casque pour profiter un petit peu de l'ambiance, mais je vais probablement me mettre à hurler parce que j'entends plus rien du monde extérieur. Et je vais relever un tout petit peu le micro aussi. La musique est cool. C'est vrai que c'était TP dans l'Indel, mais je comprends pas ce délire. Après le dragon tonnerre, je me suis TP dans l'Indel, je sais plus pourquoi, et je sais plus pour quelle raison. Et apparemment, ça m'a débloqué l'ascenseur qui me permet de commencer par la fin. Ok. Salut. Je me suis fait Beyblade. Ok. Je me suis fait Beyblade. Je suis trop petit pour toi, mec. Je passe sous les attaques. Et non, dodged. Excuse-moi. Oh ! C'était un petit peu plus delayed que prévu. Morgoth, boss incroyable, dommage que tu vas le foudroyer. Quoi, vous êtes en train de dire que je suis overleveled pour l'Indel ? Grande hache de gargouille. J'ai une grande hache de gargouille. Ton arme est trop up surtout. Ah ! Vous êtes en train de dire que vous m'avez fait adopter un build broken ? C'est ça notre problème présentement, mon build est broken. J'ai voulu mettre mes lunettes pour mieux voir, c'était vraiment une erreur catastrophique, je les ai pas nettoyées, je vois rien. Elles sont opaques. Un peu, mais la plupart des gens sont overleveled en arrivant à l'Indel. Et moi, je voulais faire l'Indel vraiment 20 heures plus tôt. Et j'ai fait un vote. Et je me suis fait entraîner par le peuple au manoir du volcan à une voix près. Marrant l'impact que ce dernier voteur a eu sur le stream. Il devrait pas y avoir Margit dans le coin, genre. Et ici, c'est fermé, du coup. C'est qui ça? Oh, c'est juste des petits bonhommes. C'est juste des petits bonshommes et ils sont bloqués, c'est terrible. Ok, la porte est toujours fermée. Tue les zombies. Ah, tue les zombies. Non mec, pourquoi? Enfin genre, pas tous. Ce serait genre abusé. Efficace comme manière de les débloquer. Mec, Staline disait la mort résout tous les problèmes. Plus d'hommes, plus de problèmes. Ah, et lui, c'est Margit, non? Ça, il faut vraiment m'expliquer la raison. Ça, vraiment, il faut m'expliquer la raison de l'or derrière ça, genre. Vraiment le délire de tu croises un SDF et il prend l'apparence d'un boss que t'as goumé 40 heures plus tôt.
Qu'est-ce qui justifie ça, genre? C'est même pas la métamorphose qui me choque, parce que bon, c'est la magie, mais le gars est mort normalement. Et non, raté. Wouah. Wouah. L'allonge. L'allonge sur ça, frérot. L'allonge. Quel plaisir que tu sois allé te bloquer dans des bouts du décor. Comme au pont. Quel pont. Ah, j'ai des agros. J'ai un peu des agros. La voiture est à nouveau en train de péter un bruit dans la rue. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui est en train de se passer dans cette rue. Oh. Oh. Ah, il est P2, il est P2. Je sais toujours pas comment je suis censé affronter ça. P2 d'ailleurs. Dodged, car Torrent est plus rapide que toi. Oh là, oh, po, po, po. Torrent, too fast. Il a l'air beaucoup moins énervé que quand je l'ai. Tu vois, j'ai un souvenir différent de... Médaillon d'ambre, vert, émeraude. J'ai un souvenir différent de ce boss. Pour moi, quand il passait en P2, il se mettait vraiment à spam, mais comme si sa vie en dépendait. Je sais pas si t'avais remarqué, mais personne ne meurt vraiment. Si tu as fait la quête de Rani en entier, ça te donne plus d'infos. Alors... Personne ne meurt vraiment, je suppose que c'est le même principe que dans les Souls. En fait, tout le monde renaît et personne ne peut vraiment mourir, c'est pour ça que tout le monde est un peu un zombie. Je suppose que l'explication... L'explication dans Dark Souls 1, c'était... la flamme est en train de s'éteindre et la flamme représente le changement, donc les principes de vie et de mort sont en train de disparaître et tout ce qui reste, c'est de la non-vie. Mais j'ai l'impression que l'explication dans Elden Ring, c'est... L'ordre d'or a perdu sa rune de la mort et donc la mort a juste disparu du monde. Il essaye d'aller où là? Mec, je me balade. Je me balade, laisse-moi tranquille. D'abord, j'attrape un scarabée. Et ensuite, si c'est vrai, ça veut dire que 100% des boss que j'ai tués, genre, sont encore en vie. Le truc, c'est si la mort avait vraiment disparu, il y aurait pas un festival organisé pour tuer Radahn. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est où? Il est où, Radahn? Il est vraiment mort. Et là, je suis censé juste longer la route sur la gauche. Je suis à Lindel, mec. Je suis dans un endroit qui s'appelle littéralement Faubourg de la Capitale. Faubourg de la Capitale, mon gars. Je peux pas faire plus Lindel. Je peux pas faire plus Lindel que Faubourg de la Capitale. Hello, Review, tu as déjà fait Sekiro? Bien sûr, j'adore Sekiro, mec. Vive Sekiro. Quel From Software de fou. Il y aurait eu des DLC à Sekiro, il serait contender pour meilleur From Software all time. Mon deuxième From Soft préféré derrière Dark Souls 1, c'est Sekiro. Bientôt le money shot. Ah ouais, déjà là avec les grosses pierres tombales de part et d'autre de la route, c'est honnête. Hein. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Enfin. Bon, on est très clairement dans le cimetière de la ville. Je me demande si les grosses pierres tombales sont pour des géants. Oust. Je crois que ce squelette avec les grosses armes, il a l'épée courbée de bandit qui a genre quasiment aucune chance de drop et qui est genre le meilleur sabre du jeu, qui m'aurait mis trop bien si je l'avais choqué avec mon build de Dex. Ah, il est meilleur.
Il est meilleur que moi, je préfère le laisser tranquille. Je suis arrivé à l'arbre monde là. Ouais, il va y avoir un boss. Il va y avoir un petit boss dans vraiment une seconde. Vraiment facile à drop. Wow. Ok, le boss est en dessous. Je suis bien trop haut. Faudrait que j'aille voir ce qui est... Je vais suivre cette route jusqu'au bout. Quoi? Mais on est où là? Un snake. Oh, un snake osseux dans un crâne. Non mais c'est fou. Ah mais non, c'est un... c'est un escargot. C'est un escargot, mais vous comprenez, c'est un escargot, mais sa coquille, c'est un crâne. Incroyable, le concept du mob est fou. Non, le concept du mob est trop stylé, genre. Le boss m'avait rendu Blackata. Il t'avait rendu Blackata, mec, je voudrais pas qu'il... Non, Black... Un snake cargo. Mec, c'est un skull cargo. Un skull cargo, mec. Wop. Laissez-moi partir. Je vais suivre la route jusqu'au bout. Voir c'est quoi ce petit bâtiment au bout du cimetière. Puis redescendre et aller checker le boss de l'arbre. Et après, éventuellement, au bout d'une heure de live. Ah, pardon, 1h30. Entrer dans l'Eindel. Et je sais déjà qu'il y a un boss qui m'attend sur le pont. Parce que je suis arrivé de l'autre bout du pont la dernière fois et il y avait une barrière de boss. Ok, donc en fait le bâtiment est une petite cabane dans laquelle il y aura probablement un marchand. Hop là. Monsieur Review, possible de voir vos stats? Oui, tout à fait. Un escar crâne, c'est pas mal. Un escar crâne, c'est honnête. Attends, je pouvais améliorer mes fioles. Fioles sacrées, ajouter une dose. Bam! Voilà, je suis niveau 90, 35 de vigueur, 57 de force, 32 d'endurance. Voici mes stats. Qu'est-ce que tu vends de beau, toi? Un arc runique, un tournesol, flacon, des flèches, tenue de prophète. Oh, sous la capitale. Robe bourgeoise, pantalon de prophète. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y avait vraiment des infos utiles dans les textes que t'achètes aux marchands. Le truc c'est que je me suis mis à les acheter tellement tard qu'ils ont dit que des trucs que je savais déjà. Vous voyez mon problème? Sous la capitale. Sous la capitale de l'Eindel serpente un important réseau d'égouts. Le puits de la ville basse mène apparemment à ces tunnels. Voilà, ça c'est précieux ça. Quand on sera dans la ville basse, on cherchera un puits, messieurs dames. 135 arunes. Ah, 135 arunes. En vrai de vrai, il serait peut-être temps de développer un peu. 135 arunes, mec, je peux gagner au moins un level. Je peux gagner deux levels. Je les mets dans quoi? Je les mets évidemment dans la force. Non, je les mets un peu dans l'endurance et un peu dans la force. Hop là. Enfin, c'est les égouts, il y a du caca, quoi. Mais c'est vrai que comme on est... C'est vrai que comme on est dans un cimetière, mon gars, je vais... Attendre la nuit. Parce que bon, le principe de nuit dans Elden Ring est nettement moins bien implémenté que dans Breath of the Wild, comme beaucoup de choses malheureusement. T'as moins l'impression que c'est dangereux la nuit. Dans Breath of the Wild, t'as vraiment l'impression que c'est dangereux la nuit. Il y a des putains de chauves-souris partout, il y a des putains de squelettes partout. Là, t'as juste exceptionnellement un cavalier flippant qui spawn la nuit. Mais comme on est dans un cimetière... Comme on est dans un cimetière, mon gars, je vais partir du principe qu'ils ont prévu un truc pour la nuit, on sait jamais. Les égouts sont dingues, tu vas adorer la capitale. Toute la zone est banger. Ah ouais. Il y a des piafs. Mais ouais, mais mec, j'ai découvert ça. J'ai découvert que des fois, il y a des piafs chauves qui me tombent dessus de nuit. Genre, ils font vraiment peur, ils sont vraiment pas beaux. Va au marchand pour voir quand même. La nuit dans Breath of the Wild, c'est une balade de santé. Wow. Un peu un mensonge, mais bon, les snake cargo sont toujours là. Je sais pas s'il y a quoi que ce soit ici. Petit backseat va à la cabane du marchand. Mec, je viens de la cabane du marchand. Oh, ah voilà. Voilà un rapace funeste. Mais ouais, c'est ces choses là. Regarde la tête du truc, c'est horrible. Oula, bon. Ah, il est.
Vraiment, le marchand la nuit important? Quoi? Il m'a délaité le piaf. En vrai, j'aurais pu win. En vrai, j'aurais pu win, j'étais pas concentré. Va à la cabane du marchand. Mais je suis à la cabane du marchand. Qu'est-ce que tu me veux? Well, divorce. Est-ce qu'on est toujours de nuit? Ah, mais on est plus de nuit. Il fait jour, c'est bon, j'ai compris. Faire passer le temps jusqu'à la nuit. Le piaf, il a la gueule de Titi. Titi l'oiseau? Un peu, genre en vrai, vite fait. J'avoue, son bec. J'avoue, il y a un petit truc, genre. Il a un peu la tête ronde de Titi, genre. Et le même bec. Quand tu meurs, tu te réveilles le matin. Est-ce que je suis censé tuer l'âne? C'est peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse. C'est une blague, monsieur. Il est parti. Oh! Oh! Hein? C'est quoi ça? Ça sort de perles cinéraires. Bah on va bien s'entendre, je ne suis pas une perle cinéraire, donc on va te faire foutre en fait quoi? Oh, il a le même pattern que le truc des ronces dans le château infernal avec les lanceurs de poudre magique, vous voyez ce que je veux dire? Chasseur de perles cinéraires. Juste ça se voit déjà que tu t'as. Ouah! Est-ce que je peux me le faire avec Torrent? Église de la tortue. Welcome aboard, Captain. Aïe! Restons focus. Ok. C'est ma chance. Bam, 416, qu'est-ce que tu vas faire? Nul. Le raté. 416. Je suis inarrêtable. 416. Ouais, mais j'ai Torrent. J'ai un cheval, et toi? Tu n'as pas de cheval. Donc le calcul fait que j'ai un cheval de plus que toi, et tu vas perdre. Hop là. Hi! Bon, bon. Wouah, la range! En fait, c'est impossible de savoir quelle range il a. S'il veut taper loin, il peut taper loin. Il y a une range de fou, mec, il fait de la télékinésie, c'est trop. Maintenant. Non. Un point de vie. J'ai failli troll. Vous avez cru que j'avais troll? Non, j'ai pas troll. Mais voilà. 20 000. Elles sont où mes runes? Elles sont là-bas. Ah non, elles sont... Vous avez vu que j'ai essayé de finir avec un cool move, mais vraiment le boss a fait non. Ok, maintenant c'est le tour du rapace. Tu as troll, mais tu as beaucoup de vie. Ouais, la vigueur est en train de me faire jouer un petit peu en mode facile. Maintenant, on va pouvoir parler du fait qu'il a énervé un marchand. J'ai pas énervé le marchand. Le marchand, techniquement, il lui est rien arrivé. Il va me brouiller malencontreusement mon épée qui est tombée sur son âne. Regarde l'item. Je sais même plus ce que j'ai drop, mec. Qu'est-ce que j'ai drop? Est-ce qu'il suffit que je vienne de... Ouais, il aura pas ça. Boum! Nice! Ah ouais, mais en fait, les escargots vont me... Les escargots vont trop casser. Débarrassons-nous-en. Raté! C'est pas beau. Oh le bon. Oh quoi, il m'a... Oh non. Il me picore. J'ai survécu. Non. Il a tapé.
Le design est catastrophique. Regardez sa tête, il est horrible. C'est genre. C'est en effet, c'est une fusion entre Titi, un vieil homme terrifiant et un zombie, genre. Cette chope est d'une violence rare. Il m'a picoré, mec. J'ai été picoré. Il est hideux, mais pas très dur. C'est un peu honteux que je meure comme ça. Faire passer le temps jusqu'à la nuit. Vraiment, la fusion de. Il a tout ce qui est horrible en fait. Il a des longs membres extrêmement fins, genre Slenderman. Il a une tête qui est censée être mignonne, mais à moitié pourrie. Il a les yeux creux, genre y'a rien qui va. Il a une putain de canne. Tous les trucs flippants. Pff. L'item que tu as drop était une perle. Ok. Qu'est-ce que j'en fais du coup de la perle? Capable de tuer les escargots, c'est de la chance. Ouais, voilà, il fallait les dégâts aux escargots. Oh, il m'a raté. Non, je me suis fait taper par un escargot, ils sont en fou. Non, en vrai, les trash moves sont supportables dans ce fight. Il fait monter la malle mort. Excellent double. Excellent contre-attaque. Non, s'il vous plaît, il a tapé une autre fois. Ok. Ah, c'est bon. Il peut lancer la canne et la ramener. Ça, c'est un peu normal. Normal. 1814 dégâts. Même un tout petit peu de l'aide. Ok. Il est horrible, regardez. Plan 814. Juste besoin d'une bonne attaque sautée pour en finir un petit salope. Allez, les squelettes qui se ramènent maintenant. Ben ouais, bien sûr, il y a les squelettes aussi. Mettons un petit peu de distance entre nous et les squelettes. Parfait ça mec, c'est ma chance. Ah. Unlucky. Unlucky. Ah, t'es le squelette qui bougeait pas maintenant. Ah. Voilà. Parfait. Lindel a été battu ou pas encore? Alors, rempart de l'oiseau bicéphale. Bravo. Très bien. Et donc normalement là, est-ce que je fais confiance au game? Est-ce que je fais confiance au game pour m'avoir mis genre une grâce quelque part par ici ou pas? Oh, il faut que j'aille me battre contre le. Il y a des boss partout dans cette zone. Faut encore que j'aille faire le boss du mini arbre monde, genre. Faut que je fasse le boss du mini arbre monde. Faut que je fasse le boss du pont. Faire passer le temps jusqu'au matin. Comme ça, il fera beau et ensoleillé. Parce qu'il ne pleut jamais dans ce game. As-tu bien vérifié en dessous du pont? Quel pont? Ce pont? Non. Je suis même pas encore arrivé jusqu'au pont, mec. On a pour plan d'aller voir le pont, mais vraiment c'est tout. C'est quoi l'explication du lore pour les rapaces funèbres du coup? On a fait de la magie noire avec des oisillons, ça s'est mal passé. Combien d'heures sur le jeu? Mec, bonne question, OM. Ah. Ah, je vois. Oh, l'arbre est juste là. Faites pas attention à moi. Il me semblait que j'avais vu des mobs ici.
c'est ça. Ok. Oh, je suis passé en dessous. Oh, on peut stagger, ok. Honnête. L'arme fissurée à rameau, l'arme de cristal. Pour. Ok, il y avait. Bah alors. Il n'y avait probablement pas de boss. Il n'y a probablement pas de vrai boss pour cet arbre monde. Regardez, on y est presque. Il ira probablement jamais à Lendel, mec. Mec, tu dis ça alors que le pont est en vue. Regarde, c'est là qu'on rentre dans la ville. Faut juste qu'on passe ça et genre cette route. Je vais aller fermer les rideaux deux secondes, qui est un truc que je fais jamais, mais là il y a vraiment trop de lumière et je vois plus l'écran. Pourtant on aime bien le soleil, c'est dommage. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, on voit presque ce qui se passe. C'est l'heure de se fermer dans sa grotte. Ah ouais, là je suis passé en mode... Je suis passé en mode turbo weeb, frérot. Turbo, turbo weeb. Messieurs, dames, c'est parti. Je sais pas ce qui nous attend sur le pont. Oh, carte postale, encore une fois. J'ai même pas fait exprès. Très joli, vraiment. Bam, l'arbre. Bam, le soleil sur les remparts de la ville. Bam, je suis là avec mes épées. Ah, ce serait pas la... Il y a un zombie qui vient de mourir, j'ai récupéré des armes. Ce serait pas la montagne des géants, ça, là-bas? Si, clairement. Turbo nerd, plutôt. Les weeb aiment pas la lumière non plus. Quand il y a trop de lumière, ils peuvent pas voir le concert de leur dernière idole. Hop. Est-ce que tu peux apprécier ton Oshi avec le soleil dans les yeux? Je ne pense pas, frérot. Je ne pense pas. Ok. Essayons de pas se faire snipe. Je vais appliquer l'ancienne stratégie de la course en zigzag. La course en zigzag! La course en zigzag, au secours. Regardez-moi ce timing d'esquive. il a triché. Triché, vous savez bien. Je fais quelques dégâts quand même. Aïe! Quelqu'un m'a dit, est-ce que t'es allé voir sous le pont? Tu parlais de ce pont en fait, c'est le seul pont qu'on a exploré. Je fais vraiment trop mal, mec. Oh, j'ai vraiment cru que le jeu m'avait troll, mais genre comme never. Comment il arrive à me sniper, le bouc? Je suis de l'autre côté de 12 arbres. Oh, on peut descendre ici. Incroyable. Sous le pont. Ah. Ah. Et où est-ce qu'on va du coup? Il y a un bâtiment mystérieux avec un ours derrière moi. Et devant, il y a les douves en fait. Ah, j'aurais pu descendre ici sur la droite. Une tortue! C'était une tortue. Il va y avoir un crabe. Ah! Oh, j'allais dire étendu d'eau comme ça, genre il a l'air de rien avoir, frère, c'était sûr.
C'était sûr. En plus, il est. Il a un pattern spécial. Il est tricolore. Je fais trop mal. Je fais trop mal. C'est une dingue. Une tête de libellule géante. Hop. Je fais trop mal, frère. C'est quoi ces dégâts? Ah, ça, c'est de la vraie eau. Je peux pas y aller. Et vraiment. Vraiment, on le dira pas assez, mais fuck les crabes. Devrait y avoir quelqu'un ici? Non mais mec, c'est parce que j'ai fait aucune quête en fait. Viande de tortue. Le pauvre Morgoth, il va se faire démonter, mais mec, je vais démolir tout le game en fait. Quel boss peut raisonnablement m'arrêter maintenant, genre? J'étais trop fort de base et maintenant j'ai des armes broken. Bah. Alors attendez, ça c'est un truc que je dois faire détruire par un mob, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Vas-y, tape la statue pour voir. Ça peut pas marcher, genre. Bon. Jeune ours, tu n'étais pas l'homme de la situation. Tu n'étais pas l'ours de la situation. C'était peut-être le crabe, en effet. C'est l'ours géant d'à côté qu'il faut? Quel ours? Oh mais il y a clairement... Ouais, il y a clairement une zone... Il y a clairement une zone neige. C'est un crâne que je vois là-bas? Ouais, c'est un crâne que je vois là-bas. Hein. Ah oui, et un crâne encore plus énorme à côté, ok. Va vers les arbres. Le problème, mec, c'est qu'il y a vraiment la gravité entre moi et les arbres. Fais un backflip. Ah oui, il y a un ours géant. Un rune bear. Je vais. Ouah, il m'a dodge, frère. Je vais légèrement l'agacer. Je vais très légèrement l'agacer pour qu'il m'accompagne jusqu'à la statue. Viens, frérot. Ouais, voilà, parfait. Fais-moi ta meilleure charge d'ours en colère, là. Non. Désagro pas. Je suis là. Non! Salut! Voilà. Comme il a l'air appétissant. Aïe aïe aïe! Vas-y, tape. Voilà, let's go! Magnifique! Tu peux t'en aller maintenant. C'est bon. Au revoir. À la prochaine. Problème. T'as décidé d'être relou, ça. Bam bam! Ça doit être les griffes. C'est les griffes, ça. Bien évidemment. Ça doit bien être possible de stagger. Oh, je vois à l'intérieur de son bide. Wow. Okay. Maintenant, il va te détruire, mec. Personne me détruit. Avec mon hachoir géant. Aïe. Oh, mais il dit les attaques aussi. Il triche. Ah! Différent, je trouve. Moi, je sais pas si un ours a besoin d'avoir autant de façons différentes d'attaquer. Personnellement, c'est que mon avis. Après tout, je développe pas des jeux vidéo. Ok, honnête. Il a l'air doux. Il a en effet l'air assez doux. Le truc dans cette statue a intérêt à être phénoménal pour m'avoir coûté de supporter un ours runique. Pierre de forge, c'est super, vraiment. Va voir la zone qui gardait. Failli perdre contre un trash mob, mec. C'est archi pas un trash mob. Il est là. Il est tout seul. La zone que lui gardait, tu veux dire les arbres? Non, mec, il gardait aucune zone. Hein. Il était exclusivement là pour que je l'attire sur la statue et que je... Bien vu. Il gardait un truc. Encore des catacombes. Eh, on va jamais aller à Lindell. Hein.
Il ressemble de ouf au singe de Sekiro dans les patterns, ouais, dans sa façon de se jeter en avant et de taper par terre, c'est vrai. Il y a un petit air de famille. Je l'ai tué en me cachant dans les catacombes. Il va y avoir un... Sur la chaîne de VOD, il va y avoir 4 vidéos différentes qui vont s'appeler Je vais à Lindel. Surtout qu'en plus je gagne vraiment... On fait les catacombes par pur plaisir de l'aventure, hein, parce que je gagne jamais rien d'utile. Qu'est-ce que je gagne à la fin? Des cendres, frère. Des cendres, où suis-je? Oh, ce serait pas la... Attendez, ce serait pas la... Je pense que la manivelle... Ouais, la manivelle qu'il me faut est là. Excellent. T'as une chaîne de VOD? Bien sûr, mec. Sinon, comment est-ce qu'on ferait quand après 2 mois, elles disparaissent de Twitch? Je trouve très remuant. Mais... C'est l'aventure, messieurs dames. C'est juste l'aventure. Ça sent un endroit où il va y avoir un crabe. Hop là, bien tenté. Peut-être que... Oh! Pour une fois, ça a marché! Oh, c'est fou! C'est la première fois en 750 try que vraiment le mur est... C'était vraiment un passage secret, quoi. Et ouais, pas à moi, frérot. Je sais pas où il était censé m'emmener. Je sais pas du tout où il était censé m'emmener. La pire catacombe, elle est originale en vrai. J'avoue, j'avais jamais vu ça. Bon, tu sais quoi, je me laisse kidnapper. Je me laisse kidnapper par pure curiosité. Oh! Ok, je comprends le principe. Je comprends le principe. C'est vraiment juste pour qu'on se perde. Oh mon dieu. Oh! C'est un labyrinthe, genre. C'est un labyrinthe avec des téléporteurs pour nous perturber. J'aurais mieux fait d'aller à Lindel. Parce que la dernière fois... Regardez, la dernière fois que je suis arrivé dans une config comme ça, j'étais ici. J'étais ici et ici on voyait la manivelle, vous voyez. Sauf que là, il n'y a plus la manivelle. Ce qui veut dire qu'on est à un étage qui est genre... On est à un étage qui est parfaitement identique, juste il est au-dessus ou en dessous et il n'y a pas la manivelle. Écoutez, dans ce genre de situation, il y a vraiment 2 strates. Ouais, voilà, et là pareil, c'est le même étage, sauf qu'il n'y a pas le mec de l'autre côté avec son objet à ramasser. Dans ce genre de situation, il y a 2 choses à faire. Soit tu sors une feuille et un crayon et tu commences à noter les spécificités de chaque étage, et au bout d'un moment, tu te retrouves avec une carte compréhensive, et t'es content. Soit tu marches au hasard et tu pries, genre. Devinez ce que je vais faire. Je veux vraiment juste la manivelle. C'est tout ce que je veux. S'il vous plaît. Non. Tiens. Les niveaux sont des labyrinthes en 3D, donc difficile d'en faire une carte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je suis... En plus maintenant il y a des variantes. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, on est stuck ici jusqu'à la fin des temps. J'espère juste
J'espère juste que les coffres se... Est-ce qu'on peut les prendre dans les deux sens ou est-ce qu'une fois qu'on en a ouvert un, genre il... Ah non, non, c'est mort. Une fois qu'on en a ouvert un, il se referme, donc tu peux même pas savoir lesquels t'as déjà pris. Tu peux esquiver les TP. Ouais, ouais, je voulais pas esquiver les TP, je voulais voir s'il me ramenait de là d'où je venais, genre. La solution est tellement pas logique, putain. Vous savez pourquoi la solution est pas logique? La solution est pas logique parce qu'il y a beaucoup de studios japonais qui développent leur jeu en partant du principe que de toute façon les joueurs vont parler entre eux, que de toute façon ils ont internet, que de toute façon ils vont discuter dans les cours d'école, et que les jeux, et que t'as le droit de mettre des trucs complètement idiots et illogiques dans tes jeux parce que de toute façon quelqu'un finira par trouver et il en parlera à ses potes. Et genre si t'es un gamer solitaire, c'est ta faute dans la tête des studios japonais. C'est pas que eux ils ont trop bien caché les trucs, c'est que vraiment t'avais qu'à parler avec d'autres gens qui ont fait le jeu. Super. Salut. YouTube, enfin YouTube existe quoi, bah c'est exactement ça. YouTube, que ce soit tes potes à la cour d'école ou YouTube, ils partent du principe que t'es censé échanger avec d'autres joueurs. L'expérience, je veux rentrer, je veux rentrer chez moi. Au moins, je pense que les mobs respawnent pas, genre. Si on joue à des jeux solo, c'est pas pour en parler avec des gens. Et bah tu vois, les studios japonais ont archi pas cette mentalité. Ils ont archi pas cette mentalité. Même des jeux solo, t'es censé genre, ils essayent de... Pour eux, c'est une sorte de petit phénomène, genre t'en parles avec tes potes qui l'ont aussi, t'en parles sur les forums, t'en parles sur YouTube. Et vous cherchez ensemble. Et j'ai le droit de mettre l'entrée du premier DLC de Dark Souls 1 caché à un endroit aléatoire dans le jeu parce que de toute façon quelqu'un le dira aux autres. Et donc c'est bon. Ou alors FromSoft veut mon âme. Alors, possible aussi mais... C'était catacombe donc il y a des faux murs en plus. En plus il se peut qu'il y ait des faux murs. En plus il se peut qu'il y ait des faux murs. Ok les mobs ils spawnent pas. C'est déjà ça. Hein? Ah je suis revenu au début. Je suis revenu au premier étage, il me semble. Ouais, je suis à peu près sûr que... Ouais, ouais, ok. Je suis au tout premier étage, là où il y a la... Ok. Et je peux sortir des catacombes par là, genre. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour tomber là, genre? Il n'y avait pas de coffre derrière toi. Les miroirs be like réfléchissant. Pas mal. Les miroirs be like réfléchissant. Pas mal. Pas mal. Est-ce que je pourrais juste... Attendez. La dernière fois, donc j'ai dodge. La dernière fois j'ai dodge ce coffre. Prenons-le. On sait jamais. T'aurais pas dû prendre les escaliers? Non, la dernière fois j'ai pris les escaliers. Oh, ok. Et là je suis de l'autre côté de la grille, avec un pot géant. Yes. Aïe. Oh, avec un deuxième pot géant. Alors, s'il me tue, ça veut dire que toutes les foutues gargouilles dans tous les foutus étages respawn et ça vraiment, il n'en est pas question. Peau fissurée. Manuel de parfumeur, oui merci. Peau fissurée. Ok. Tu vois, c'est le moment où on devrait noter, genre. On devrait avoir une petite carte et dire premier étage, coffre dans la chapelle, cul-de-sac. Et bam, et tu l'élimines pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que premier étage, il n'y a pas 30 000 routes, ça veut dire que premier étage, je suis obligé d'aller à gauche et de prendre ce coffre et de continuer à partir de là. Et on a qu'à appeler l'étage auquel on arrive après le premier étage, le deuxième étage, ok?
Donc là, deuxième étage. Ah, si c'est, si ça a été... Si ça a été un minimum bien designé, mais vraiment un minimum bien designé, à chaque étage, il y aura un coffre qui mènera vers un cul-de-sac. Et un qui nous fera avancer d'un étage. Il faudra continuer comme ça. Alors, la question que j'ai, par contre... La question que j'ai par contre c'est... Là si je me laisse tomber je pourrais pas aller voir ce qu'il y a en haut avec l'échelle. Enfin c'est pas une échelle c'est... Ouais non c'est bon je peux me laisser tomber. Qu'est-ce qui se passe si je reviens en arrière comme si je voulais sortir du donjon sans être au premier étage? Je tombe sur quoi? Je tombe sur une chapelle, je tombe sur une autre chapelle en fait. Ah, je tombe sur un cul-de-sac, c'est parfait. Ok, je tombe sur un cul-de-sac, ça me va très très bien. Tu joues à FromSoft, leur notion de bon game design est souvent particulière. Ouais, je sais, je sais. Je sais, ils sont tellement... Ils sont brillants sur certains trucs, donc ils arrivent à nous faire oublier que c'est des giga-trollers sur d'autres. Des fois, FromSoft, c'est des sacrés débiles, hein. Il faut regarder la vérité en face. Donc là, j'ai le choix entre coffre du fond de la chapelle et je suppose... Ouais, voilà, là ça va être infernal. Qu'est-ce qui se passe si je prends coffre du fond de la chapelle? Je sais plus si c'est lui que j'avais pris. Il y a des flammes bleues ici. Il y avait des flammes bleues la dernière fois? Est-ce que lui aussi il me ramène derrière la grille? Ça nous mettrait trop bien. Mais ouais, il me ramène derrière la grille. Donc ça veut dire qu'à chaque fois je dois aller prendre celui qui est... Bon. Ça veut dire qu'à chaque fois je dois aller prendre celui qui est au fond à gauche. Non, frère. Trop fissuré. Donc ils explosent comme ça. Peau fissurée. Oh fuck, il y a une échelle ici. Pourquoi il y a une échelle? Tous mes plans. Eh, si l'échelle elle emmène vers un autre embranchement, je suis foutu. Je suis pas allé dans, au deuxième étage, je suis pas encore allé checker le coffre qui est au fond à gauche. Eh, tu sais quoi? C'est quoi, let's go? C'est quoi? Eh, c'est bon. Une porte. Ouais, bah, très bien. Bah, genre, bravo. Juste. Je sais pas. Ok, pourquoi? C'est exactement ça. C'était... Ok, pourquoi pas. Là, en vrai, ce qui serait bien, ce serait que lui, il me ramène au premier étage, genre. T'es au bon étage. T'es au bon étage. T'es au bon étage. C'est toi le bon étage. Ah ouais, j'étais au bon étage. Oui, bien sûr, j'étais là où il y avait la manivelle. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Sauf que trop tard, j'ai ouvert un coffre. Je suis perdu à nouveau. Est-ce que je peux me barrer en me téléportant? Ah, alors J'aurais pu faire le truc où je sacrifie mes âmes pour me barrer, mais j'en ai 107 000. Pourquoi j'ai 107 000 âmes? Mais ouais, ouais, j'étais au bon étage. Je pense que pareil, il voulait dire que t'es au bon étage, mais ouais, mais c'est ça, mec. Mais il l'a écrit bizarrement. Il a écrit sa phrase bizarrement, mec. Ça m'a perturbé. Mais regarde, la logique veut que je vais m'en sortir simplement en prenant les coffres qui sont en bas à gauche. C'est tout. C'est tout, en fait. Regarde. Coffre en bas à gauche, il va me ramener à un autre étage. Genre... Est-ce que c'est le bon étage, ça? Non. Peut-être. Où est-ce qu'elle mène déjà, cette échelle? Je l'ai prise, la dernière fois. Bon, c'est bon, en fait maintenant que j'ai... Maintenant que j'ai activé la manivelle, mon cerveau a fondu, j'ai plus rien suivi. Pourquoi? À quoi ça? Ça, c'est tellement random comme pièce, je suis sûr qu'elle est là pour me ramener au début. Flamme bleue. Oh, voilà, et là je suis revenu. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû sauter par la fenêtre. J'étais au bon endroit. J'étais carrément au bon endroit. C'est pas grave.
C'est pas grave, je connais la route. Est-ce que je connais la route? Ah, est-ce que je connais la route? Non, mais du coup, c'est facile, regardez. Non, mais j'ai trop. Non, ok, j'aurais pas dû prendre. C'est bon, j'ai réussi l'énigme. Laissez-moi 5 secondes pour sortir de l'énigme. Là, je vais aller en bas à gauche. Je vais aller en bas à gauche pour changer d'étage. Je vais me retrouver au deuxième étage. Je vais prendre le coffre dans la chapelle, me retrouver derrière la grille, prendre l'échelle et être au bon étage. Et en fait, c'est tout. Non? C'est pas ça? Si, c'est ça. Hop. Ici, bam. Quand t'es à l'étage bleu, tu dois prendre celui qui est dans la chapelle. Et tu te retrouves derrière la grille. Et la grille, il y a une échelle. Mais j'aurais aussi pu juste continuer à prendre en bas à gauche et prendre une échelle pour monter. Y'a pas d'échelle. Elle est où mon échelle? Pourquoi y'a pas d'échelle? On est perdu. Ah mince, je les dodge en plus. Attendez, on peut vraiment ouvrir les portes? Mais non, on peut pas ouvrir les portes. On m'avait menti. Il y aurait dû avoir une échelle ici, hein, je vous jure. C'est celui sous la capitale. On est techniquement à Leyndell. Oui, on est techniquement à Leyndell en fait. Parce qu'on est tellement sous la capitale que regarde mec. C'est genre... Fidèle à ma promesse, j'ai fait un live sur Leyndell en fait. J'ai avoir besoin d'un petit peu d'eau pour sortir de ce donjon. Si on m'avait dit que le problème ce serait de sortir du donjon. Tous les étages ont des flammes bleues en fait, on se moque de moi dans ce scénario. Genre. Ah, j'ai glissé. T'as pris 1, 3, 4 personnes en otage? Non mec, ça c'est ok. Pas le bon étage, non, tu penses frérot? Attends, tranquille. Donc... Mais en fait le problème c'est... En fait ça se trouve ça dépend pas, ça se trouve je devrais pas me fier aux couleurs des flammes. Je veux juste voir si ça me ramène dans une pièce qui a une pas d'échelle genre. Et putain, et là il y a des... Ok, donc c'était pas... Je me suis fait bait, c'était pas du tout la couleur des flammes. Fallait compter en nombre d'étages et pas du tout compter en couleur de flammes. Ok, très bien. Non mais... Ça me paraissait smart que les flammiches aient des couleurs différentes pour t'aider. Mais en fait, c'était une idée intelligente, donc évidemment From Software ont pas fait ça, genre. Je suis au bon étage. Donc voilà. Et maintenant, faut que je m'en aille en fait. C'est tout. Faut que je remonte. Mais par où? Par là, c'est sûr. Ça va me faire sortir d'ici, c'est sûr. Touche plus à un coffre. Ah, alors. Alors, mon gars. Ah, je suis stuck pour toujours. Je pensais que ça me ferait sortir d'ici, moi. Mais enfin, je suis où? Ah, non, attendez. Si, c'est parfait. Non, mais c'est parfait. Arrêtez de douter de moi, le chat. Mais voilà, mais si, non, mais vous osez pleurer dans le chat alors que c'était évident que c'était ça. Vous avez aucune idée de ce dont vous parlez, en fait. Aucune idée. Maintenant, je vais one-shot ce boss. Dueliste, gardien du tombeau, pourquoi être... My bad. Mais ouais, my bad, vous tous, hein. C'était évident. À partir du moment où j'étais au bon étage et où je trollais pas, c'était évident qu'il fallait faire ça, je pense. Ils ont tous hurlé, hein. Comme s'ils connaissaient par cœur. Comme si vous connaissiez par cœur le donjon, vous avez tous pleuré. Genre, non, touche plus un corps.
vais aussi engager quelqu'un pour retrouver les noms et tous les autres potes en moto. Aïe. Quoi? Fucking excuse-moi. Entschuldigung. Il y a intérêt à ce que je le first try. Est-ce que je suis capable de me reperdre en allant le rechercher? 1, 2, 3. Ok. Faut que je me familiarise avec son pattern. Laissez-moi 5 secondes. Ok. 1000. Ah, on peut le stagger. Intéressant, intéressant. Mais attendez, on peut le stunlock. C'est ça qui est en train de se passer. Je peux le stunlock au bout. Bah, bien joué à tous. À la prochaine. Cendre de la faïence touristique. Cendre de la faïence touristique, facile. Vous savez. Est-ce que vous savez où on va maintenant? Est-ce que quelqu'un dans le chat sait où on va maintenant? Merci pour le sub, Forwurt. Oui, on a vraiment fait ça. On a vraiment fait ça pour des prunes, mais on le savait dès le début parce que les catacombes ne donnent que des cendres et je joue sans les cendres. Donc on a vraiment fait pour l'aventure quoi. Le donjon à côté. Il nous emmènera jamais à Lindel, mec, je vais à Lindel. Ah mais ça c'est un donjon. C'est pas du tout Lindel, j'avais oublié qu'on était sous le pont. Ouais, dans ma tête on allait. Et je vous jure que dans ma tête on allait sur le pont là, mais j'avais complètement oublié l'existence de cet endroit. Je me demande ce qui nous attend ici. Le jeu de mots faïence touristique est quand même stylé, non, le jeu de mots faïence touristique est incroyable. L'invoque mérite qu'on l'utilise juste pour comment elle s'appelle. Pense à l'évaluer. Ah ouais. Jette un coup d'œil à la description de la faïence touristique, tu vas arriver. Mais mec, j'ai déjà rugolé, même sans la description. Montée de niveau. Force. Bam. Il est horrible celui-là. Je viens de sortir d'un truc qui était essentiellement un énorme labyrinthe infernal et c'est lui qui est horrible. C'est celui que je m'apprête à faire qui est horrible, ça que tu me dis. Ok. Oh, vous savez ce que j'ai découvert hier? Wouah. Oh, c'est trop court ce chien. Attends, c'est sa première run. Comment il peut encore y avoir des êtres humains qui se demandent si c'est ma première run? J'ai l'impression d'avoir répondu à ça toute ma vie. Ce que j'étais en train de dire, c'est hier je me baladais sur Discord et j'ai découvert une fonctionnalité absolument incroyable qui s'appelle la soundbox. Épitaphe dorée. Et je me suis fait insulter. Et je me suis fait insulter par tous les gens avec qui j'étais sur Discord parce qu'apparemment ça existe depuis 3 mois. Comment un truc pareil a pu sortir sans que je sois au courant? Et je suis allé sur mon Discord du coup, enfin le Discord qui est sur moi, genre. Et ils en ont qui sont incroyables. Ils en ont qui sont vraiment trop bien, genre. Attendez. Je lance Discord. Elle est où la soundbox déjà? Welcome aboard, Captain. Écoutez ça, genre. Comment est-ce que vous avez fait ce son? Vous entendez rien? Comment ça vous entendez rien? Ok, bah la soundboard de Discord est officiellement
C'est de l'entendance. La soundboard de Discord, c'est officiellement le seul son qui arrive à ignorer le principe audio de bureau de OBS. Moi, dans les paramètres du Discord, tu les auras tous. On peut join ? Ouais, bien sûr, faut juste faire point d'exclamation Discord. Ok, vous voyez comment sur OBS, tu peux rentrer différentes sources de son. Genre, tu peux dire, je veux qu'ils entendent uniquement le jeu, je veux qu'ils entendent uniquement ma page YouTube parce que je veux une vidéo, blablabla. Ou tu peux t'en battre tes couilles et dire audio de bureau. Ça veut dire tout ce que j'entends dans mon casque, ils l'entendent. Si l'ordi envoie du son, ils l'entendent. Moi, j'aime pas me prendre la tête, donc je suis en mode audio de bureau. Donc le fait que vous entendiez pas les sons Discord quand je les lance, c'est une dinguerie. Ça veut dire que Discord a codé sa soundbox de façon à ce qu'elle dodge spécifiquement OBS. Ok, c'est pas grave. Ok, continuons du coup. T'as juste désactivé Discord pour pas avoir les pings. Ah, c'est peut-être parce que je suis en mode streamer. C'est peut-être parce que je suis en mode streamer sur Discord. J'essaye en désactivant le mode streamer, personne ne bouge. Attendez! Est-ce que là vous l'entendez? Vous l'avez entendu ça? Non. Oui. Non. Non, toujours pas. Eh, c'est bon, c'est cassé. C'est cassé, c'est bon, c'est beau. C'est pas grave. Faisons le donjon. C'est le moment de saut. Sécurité, quelle surprise. Bon, je reconnais. Je reconnais ces grandes allées bien larges là. C'est pour qu'il y ait des chariots de la mort, ça. Ouais, évidemment, bien sûr. Ça va, mec? Alors, je sais pas s'il y avait un passage à gauche. Ah, c'était pas loin. Je pense qu'il y a des passages à gauche et à droite, mais j'arrive juste pas à bien aller voir. Mais attendez. Maintenant. Ouais, celle-là, c'était sûr. Et là, faut réussir à passer la porte avant qu'elle arrive. Ouah, bah, bah. Oh, y'a un squelette. Oh. Vous êtes vraiment des meilleurs propres sur Twitter, c'est trop grave. Bien sûr que je survis à ça, frère. Évidemment que je survis à ça. Le basilic ne survit pas à ça, par contre. Tout était parfaitement calculé. Je suis arrivé dans le donjon, je me suis dit, connaissant From Software, il va y en avoir une deuxième au bout. Vu la géographie de la carte et la topographie du terrain, il va y avoir la place de toi. Désolé que vous soyez pas capable de jouer à ce niveau, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je suis encore mort avec la mini-gif automatique. Ah ! Vilaine bestiole. Vilaine bestiole ! Attendez, je suis où ? Ah, j'en peux plus de ce donjon, au secours! On entend plus le jeu que ta voix. Quoi? Bonsoir. Alpha Cast a lancé un raid. Quoi? Merci beaucoup. C'est fort aimable. Comment ça, vous entendez plus le jeu que ma voix? Attendez. What? Vous entendez plus le jeu? C'est pas vrai, on entend le jeu. Vous m'avez induit en erreur. Vous m'avez rendu en erreur, super. Ça se trouve, vous me mentiez aussi pour les soundbox de Discord. Yes. Bah, c'est très gentil de m'avoir raid. J'aime beaucoup Elden Ring. J'aime beaucoup Alpha Cast. J'aime beaucoup Warhammer 40000. J'aime bien les bouquins Warhammer 40000. J'aime pas les taux. Parce que vraiment, quelle idée de jouer taux quand tu pourrais jouer genre l'Imperium ou genre. Alpha il a regardé l'intégralité des races de Warhammer 40000, toutes plus badass, terrifiantes et obscures des unes que les autres, il a dit je veux les power en gros. Pas, chacun sa vie. Hop, pas.
Ah! Le son peut pas être si fort que ça. C'est mieux là? Je pense que c'est. Je sais ce qui s'est passé. J'ai remis. Je sais ce qui s'est passé. J'ai mis l'audio de bureau à 100% tout à l'heure pour que vous puissiez entendre la soundboard de Discord, mais vous l'avez pas entendu. Et du coup, j'ai oublié de la remettre à moins 15 décibels. Et du coup, les trucs se sont mis à rouler sur le sol et ça faisait. Bram, 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 et vous entendiez plus rien. Normalement, là, on est genre OK à peu près. Genre. On est genre décemment OK. C'était vraiment. Essayer de partager. Essayer de partager les gentils soundboards Discord a été la pire erreur de ma vie jusqu'à maintenant. Mais tranquille. Tranquille, c'est pas grave. Du coup, je suppose que toute ma super blague sur AlphaCast est passée à la trappe parce que y avait le bruit de. Putain de jeu de mort. Ah, il faut que je mette le. Je vais être obligé de faire ça avec le casque par contre. Si je les entends pas arriver, j'ai aucune chance. Ouais, c'est ma toute première route sur Elden Ring. Absolument. Ok, pas mal. Attention derrière. Comment ça, attention derrière? Ouah, attention derrière! Ah, vous avez entendu mes blagues sur les taux? Parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. Aïe! Oh, le karma est rapide. Oh, j'ai oublié de finir le squelette. Quelle erreur. Hop. Ok, magistral. Hop. Je sais pas ce qui m'attend en bas, mais je continue. Ah, maintenant elles avancent, ok. Oh, elle s'est arrêtée. Fuck. Je joue pas sans son. Je joue sans son quand je raconte des trucs. Je joue sans son quand je raconte des trucs pour essayer de pas me faire distraire par le son du jeu. Mais là, là, j'ai troll. J'ai pas, je me suis pas heal. En plus, en fait, je voulais vraiment. Je voulais commencer à courir vraiment au moment où il passait. Et en fait, il s'est arrêté en face de moi. Donc j'ai marché dans ses roues, genre. Et aussi. Attendez, il y avait quoi déjà là-dedans? Il y avait juste. Ouais, il y avait juste. Il y avait juste deux basiliques et une épée bizarre que j'ai pas essayé d'ailleurs. L'épée avait l'air fort étrange. Ouais, mais ils me suivent maintenant, quel enfer, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'arrache. Tu joues une lame, by the way. Tu joues une lame, by the way. Donc là, il y en a un qui va arriver droit en face. Faut rester au milieu. Ok, pas mal. Mais là, je suis obligé de me laisser tomber en fait. C'est fait pour. C'est clairement fait pour. On se débarrasse de lui. Tu joues à une lame, pas deux. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu as raison. C'est vrai que c'est mieux. Indéniablement, c'est mieux. Hop. L'autre est dans mon dos. Oui, c'est bon, j'ai compris. Hop, on va attendre que celle de gauche revienne. Bon, j'ai même pas besoin en fait. Y'a quoi en haut? Alors ça c'est une excellente question frérot, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'aller voir? Peut-être qu'il faut monter, hein. Peut-être qu'il n'y a rien derrière au fond, genre. Si, il y a 100% des trucs au fond. Oh, putain, il m'a encore fait le coup! Là, il va continuer du coup? Ouais, ok. Il faut en fonction de. Hop, pas mal. Je check ce qu'il y a en haut parce que c'est vrai qu'on m'a. Le chat m'a rendu curieux. Ouais, bah y'avait que ça. Y'avait que ça.
Oh. Pas mal. C'est beaucoup plus facile quand il y en a deux et que tu peux juste faire des gauches-droites. Genre vraiment beaucoup plus facile. Et là je peux juste continuer en fait. Et personne va m'embêter. Ma vie elle est incroyable. Salut petit squelette. Et il y en a un en face. Et il y en a un en face. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, je suis en train de tout donner là. Là je tryhard ma vie genre, et j'ai pas la manivelle. Oh j'ai cru que j'avais besoin d'une manivelle et que j'allais devoir tout refaire dans le sens inverse. J'étais anéanti. C'est bon. Regarde en bas. Saute, regarde en bas, y'a quoi en bas? Oh non, quel enfer. Frérot, est-ce qu'on veut vraiment s'infliger ça genre? J'ai passé une heure à chercher cette manivelle qui n'existait pas, tu veux dire que tu n'as même pas essayé de pousser la porte mon gars? Ça c'est quand même dommage. Bon on va fumer le boss, et puis on va aller voir le puzzle jump. Que personne n'a envie de faire mais et ils sont deux. Oh, ils sont deux. Ah les problèmes. Je pense que je préférerais faire le puzzle jump. C'est pas le boss le plus dur. Super. Ça m'aide pas ça, c'est comme de me dire Orstein et Smog n'est pas le boss le plus dur de Dark Souls 1. C'est techniquement vrai, mais t'es quand même dans la merde. C'est bon, j'y vais. Oh la galère. Après, je fais des gros dégâts. Je sais jamais. Ça va peut-être bien se passer. Oh, mes runes. Hop. Le stomp va me mettre dans le mal de fou. Parce qu'en fait, il arrive très vite. Il est dur à dodge et il stagger. Du coup, il suffit qu'il y en ait un qui me stomp et l'autre il me tape. Et c'est la fin en fait. Je pense qu'il faut focus le bouc qui a une lance. Ne serait-ce que parce qu'il a pas de chip. Vous comprenez la logique? Ah, oh, et il passe en P2 en plus. Oh non. Pas ça. Donc maintenant il a les attaques de la P2 et son pote genre. Oh. Non arrête, t'es un harceleur, c'est bon. Mais non mais. Mais mon gars genre. Après il est pas. Si j'allais dire après il est pas resté en P2, bien sûr que si en fait. Bien sûr que si. Oh, double dodge. Que vas-tu faire en fait? Dodge en arrière pour pas être trop proche de son pote. Dodge du stomp. Dodge de la lance. Attaque sautée. Oh, non. Oh, ça one shot. Hein. Ça que personne ne l'oublie, ça one shot. Par contre, je suis en train de faire une run hors du commun. Voilà, on est là. J'ai dodge une partie de cette attaque. Qui va me stopper maintenant en fait? T'es tout seul, frérot. J'en profite pour me gratter le nez. Voilà. Le tracking est... Non, c'était une blague. C'est vraiment un putain de harceleur. C'est archi grave, reprends tes runes. J'ai mes runes. Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, lui fait encore des... Lui, il est dans la vie de... Ah ça. Ok. Ah. MDR. C'est pas grave, on win facilement. On est un peu trop fort pour ce boss. Ah, ça aussi je me fais one shot ici. Wesh! Il a une queue. Oh, vraiment, si on m'avait dit de tous les moves improbables qui peuvent me sortir maintenant, le coup de queue aurait été en haut de la liste, tu vois. Hop là, salut.
Belle queue. C'était pas suffisant, mais belle queue. Merci pour l'armure. Ok, donc. Donc. Vous savez tous pourquoi je prends pas le TP pour revenir au début. On a un puzzle job à faire. Laisse-moi tranquille, toi. OMG Lindel, ah alors. C'est toi le renard sur le drapeau français? Alors. Il est là à cause de la vidéo, en effet. Mais c'est pas. Enfin, genre, je ne suis pas le renard. Enfin, genre, je ne suis pas le créateur du jeu ni rien. Ah non! Depuis quand le squelette roulette comme ça? Je sais pas. Il faut que j'ai pas le droit de pas avoir le casque sur les oreilles quand je fais cette zone-là. En fait, je l'ai pas entendu revenir. Il a eu 0 sur 20. Non, mec, c'est dur. Oh non, ça m'a ramené où? Ça m'a ramené au début. J'ai pas eu le choix de la... Je pensais qu'il allait me donner le choix de le truc de Marika, là. Son arme est up plus 8. Non, mec. Mon arme est up plus 9. Donc là, faut que j'aille récupérer 50 000 âmes, ça, qui... c'est comme ça que ça se passe. Ok. T'as perdu les âmes du boss fight. Ouais, 50 000. À peu près. Tranquille. Ça va bien se passer. Hop. S'arrêter ici. On laisse tourner. On court en avant. Est-ce que j'ai le temps? Oh, bien sûr que j'ai le temps. Évidemment que j'ai le temps. Bon, bien sûr. J'ai pas mon casque sur les oreilles, c'est une horreur. Hop. Ah, je suis tombé dans un trou. Attendez, hop, je suis dans un trou. Left, right. On y croit. Il y a beaucoup d'âmes en jeu. Il y a beaucoup d'âmes en jeu, messieurs dames. Elle arrive. Alors là, vraiment, le dodge va être complexe. Non, c'est bon, pas si complexe que ça. Hop. Bon, en vrai, on revient plutôt bien, genre. Elles sont où, mes âmes? Help. Elles sont où, mes âmes? Oh, elles sont là. Ok, let's go. Va dans la salle du boss au moins pour prendre le respawn et aussi t'as raté un truc. Ok, il y avait un respawn. Mec, y'a pas de respawn. Je suis à peu près certain qu'il y a pas de respawn. La tension était palpable, mec, la tension était palpable, y'avait un level entier. Au moins pour prendre le respawn, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? C'est une... C'est pas une salle où il y a un respawn, c'est une salle où il y a juste un truc qui permet de revenir au début du donjon. Qu'est-ce que t'es en train de me baragouiner, frérot? Salut! Edward, rétro découverte, mais je me fais raid par le monde entier aujourd'hui. Edward! J'ai vu Edward dans la vraie vie, il y a vraiment pas longtemps, mais je sais pas si j'ai le droit de vous dire pourquoi, genre. Je sais pas si... Bon, j'ai pas signé de NDA, mais je sais pas si les gens qui nous ont invités tous les deux ont déjà communiqué ou pas, genre. Devant toi, coupe. Tu m'as menti. Je propose qu'on mette... Moi, j'ai dit que je t'avais vu, mais pas la raison. Ouais, très bien. Uber Paz, tu viens de t'auto-condamner à au moins 10 secondes de timeout. Je suis désolé. Toi et tes conseils catastrophiques. Comment ça marche déjà? Slash timeout... Uber Paz, je viens de me faire... Attendez, je suis en train de me faire assassiner par un squelette. Non mais info chat sur info chat. Là vraiment dans les... En 15 secondes d'intervalle, j'ai eu « Va prendre le point de respawn dans une pièce où il n'y a pas de point de respawn et découpe les branches dans un endroit où vraiment jamais les branches se sont découpées. » Donc vraiment, faut aller globalement tous vous faire voir. Tiens, j'espère que tu réfléchiras au sens de ta vie pendant ces 10 secondes. Justice pour Hubert, justice pour moi, frère. Justice pour moi, ça m'a coûté beaucoup plus que 10 secondes d'aller checker. Hein. J'ai été étonnamment sympa. Hein. Déjà, la vraie justice, ça aurait été de lui faire perdre autant de temps qu'il m'en a fait perdre à moi. Il aurait dû être ban au moins 2 minutes. Attends. Par contre, je vais jamais passer, en fait. Elle est insupportable, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux péter le point de respawn? Non.
Il va falloir aller dans la petite pièce à gauche. Puis courir sur le truc pour tomber. Mais genre aller vraiment vite. 2 minutes OMG. Faut retourner au pilier, ouais. Hop. C'est où? C'est ici? Oh, j'ai vraiment cru que je l'avais pas. Chance nécessaire droit devant. Oh, j'ai vraiment cru que je l'avais pas. Oh là 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 là. Qui a cru? En vrai, soyez honnête, le chat, qui était 100% persuadé que je tombais? Genre, Grèce, parce que moi j'étais 100% persuadé que je tombais. La hitbox a été extrêmement permissive. Hop. Excellent. Excellent. Smithers. C'est quoi ça? Encore un basilic, vraiment? Est-ce bien nécessaire? Pas mal. Hi, je bonk. Vous avez essayé de me jbonker alors que c'est moi le seigneur du jbonkage. Hop là. J'en veux plus de ces merdes. Vous avez remarqué que les mobs qui peuplent genre les catacombes obscures, genre les squelettes et les basiliques, ont tous un move où ils surgissent. C'est genre beaucoup plus drôle pour ces sadiques de FromSoft si le truc est caché dans un coin sombre, genre vraiment te saute à la gueule. C'est quoi ce tombeau déjà? Car j'ai pas fait ce jump. Je pense que t'as fait le tombeau et t'étais trop occupé à part te faire rouler dessus par les chariots pour réaliser qu'il y avait le jump. Cendre de milicien vulgaire. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour descendre. Alors que j'aurais pu faire tout ça pour monter. Du coup. Derrière. Comment ça derrière? Non frère, derrière. C'est faux. C'est faux mec. Stop. Il y a sûrement un mur. Essaye de taper l'autre mur, on sait jamais. Et je vous jure, j'y vais. Mais je promets que si je trouve rien, je vais bannir pour plus de 10 secondes. Tape le mur. Quel mur? Ah, il y avait une échelle. Il y avait une échelle. Ok, bon, il y avait une échelle. C'est tout, mais je devais pas le taper le mur, genre. Fallait juste prendre l'échelle. L'autre côté. Ah, genre en face, de l'autre côté du couloir. Mais attendez, mais c'est quoi cette échelle? Et où est-ce qu'on va? Ok. Quel est le but? Si, non, le but est de nous permettre de... Ouais, non, le but est de nous permettre de remonter si on n'a pas fait encore le boss, en fait. Ouais, j'étais en mode, mais pourquoi ils peuvent possiblement nous donner ça? Mais il y a des gens qui se laissent tomber sur les poutres avant de faire le boss et ils doivent être contents de pouvoir remonter, ok. Du coup. Hi. Ah ben... Comment ça? Ah ben non, j'en peux plus. Je vais scroller jusqu'à retrouver tous les responsables. J'en peux plus. Tiens, Astréonaute déjà, juste pour avoir apporté du soutien à Uber. Parce qu'à un moment, ça va bien. Time out. 20 secondes. C'est parce que j'y crois pas. Il y en a trop. Les modos, vous voulez pas juste time out des gens?
Tape le mur avant. Draker, tiens, voilà, je l'ai retrouvé. Draker avec 2K, tape le mur avant. Toi, tu sais très bien que c'est faux. Soit tu sais pertinemment que c'est faux, soit tu sais pertinemment que tu me donnes des conseils sans savoir. Après, c'est le principe du backseat, et le backseat est autorisé, je le réalise. Mais aussi, genre, quand le petit frère est insupportable, bah, genre, il perd les chips. Bah, toi, t'as perdu les chips. Voilà. J'en peux plus. Hop. Bon, continuons, on peut aller plus bas. C'est normal. C'est normal, mais vous êtes insupportable quand même. C'est autorisé, mais vous êtes insupportable quand même. C'est ça que signifient les timeouts de 20 secondes. C'est pas des vrais bans, mais vous cassez les couilles. Vous aviez qu'à avoir raison. Vous avez perdu les chips. Squelette. Oubliez ça. Ok, mec. Je vais prendre l'autre route. Ça, j'échange en lane d'elle. Mec, je suis littéralement dans lane d'elle. Pas de verrouillage de cible en vue. En bref, oubliez ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un mob invisible? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que la bonne route c'est celle avec le squelette? Attention, verrouillage de cible. Quoi? M'en fous, je cours. Je comprends pas. J'ai rien compris, c'est pas grave. Serpent. Je peux pas lui parler avec. Il manque de poumons. Il manque de cordes vocales. Il y a eu une musique de fou d'un coup. Est-ce qu'on est dans un endroit où je suis déjà passé? C'est pas possible. Ah, je pensais que je m'étais pas assez. C'est le chariot qui spawn, ok, d'accord. On va commencer par aller voir en haut. Oh non! Oh non! Oh! Oh! Pardon, j'ai paniqué. Attends, on va commencer par aller voir en haut. Ah, ok, nice. Attends. Je m'attendais pas à ce qu'il monte. Je m'attendais à ce qu'il descende. Ah. Est-ce qu'il y a moyen de monter sur le lance-flamme pour qu'il nous emmène à l'étage au-dessus? Surtout, le fais pas descendre. De toute façon, là, je peux pas faire grand-chose en fait. Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc qui m'échappe. Indéniablement. Merde. Je me disais, ouais, c'était pas malin de mettre le lance-flamme au mauvais endroit et de repartir, mais j'étais perdu dans mes pensées, en mode peut-être que j'ai besoin de le faire monter, d'aller le chercher plus haut et de monter dessus, et vous voyez ce que je veux dire? C'était des expériences. Cette pièce me perturbe, j'ai clairement pas compris ce qu'il faut faire dans cette pièce, c'est pas grave. Logiquement avoir une entrée plus haut et tu te brûles selon la position relative à la tienne. Ouais. Mais c'est bien pour ça que je me dis. C'est bien pour ça que je me dis, je dois le mettre en position montée, aller là-haut, monter dessus, sinon je peux pas, sinon il est trop bas.
et genre m'en servir pour traverser un gouffre, vous voyez ce que je veux dire, et du coup dodge ça au moment de repartir. C'est sûr c'est ça genre. Faut juste pas que je me prenne le... ça là. Ah, c'est une petite squelette. Faut tuer le chariot? Non mec, pas avec avancement. Aïe! Oh, j'étais si close! J'ai pas eu l'impression d'avoir perdu du temps. De mémoire, il y a l'invocation des chariots à tuer. Ah bah ça me ferait vraiment plaisir, frérot. Là, je sais pas trop où j'ai troll. Je sais pas trop où j'ai troll parce que j'ai l'impression de pas avoir perdu du temps. Je suis revenu tout en haut là. C'est ça qui se passe. Je suis revenu tout en haut. Ok. Waouh. Wow. Tuer le chariot avec le feu, c'est pas possible, mec. Non, 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 c'est pas possible. Ça peut pas être ça, genre. Le pilier est la clé pour tuer les chariots. Mec, le... Ah, je pouvais sauter sur un chariot, c'est vrai ça. Je sais déjà qu'on peut monter sur les chariots, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que genre, le lance-flamme est pas là assez souvent, et le chariot est pas là assez souvent pour que la strat soit de faire cramer le chariot. Il y a genre aucune chance, il y a véritablement aucune chance. Mais il peut y avoir un délire où je dois grimper sur un chariot. Parce qu'on sait que c'est faisable ça. Hop. Waouh. Oh là là, c'était juste. C'était extrêmement juste. Oh, il y en a un qui s'est cassé ? Hein ? J'ai l'impression d'avoir tué un boss. Pause. Arrêtez, qu'est-ce qui vient de... Attendez. Il a lentement perdu de la vie sur le pilier. Ok, ok. Bon, tu sais quoi? T'as remonté le pilier. Ah, et tout en haut. Tout en haut, il y avait le mec qui invoquait les chariots, genre. Et qui s'est fait lentement cramer, c'est ça? En fait, le mec qui invoquait les chariots était en haut. Comment j'étais censé le savoir? Et pourquoi ça a pris aussi longtemps? T'as changé de trajectoire un des chariots qui en a percuté un autre? Ça peut pas être ça, genre. Ça peut archi pas être ça. Tu as fait pop un autre chariot et ils se sont rentrés dedans? Tu les as fait se croiser, donc hop, ils se sont butés. Ouais, mais ça explique pas pourquoi ils sont tous morts, genre. Ça explique pas pourquoi ils sont tous crevés, genre. Tu vois, là, y en a plus un seul. Ça explique pas pourquoi celui qui est ici, il est plus là, genre. Ils se sont crash, mais ça peut pas... Je vois bien qu'il y en ait deux qui se crash, mais ça ne tue pas le reste des chariots de l'étage. Il y a deux chariots qui sont morts, pas tous. Bah c'est faux mec, parce qu'il y en a clairement un troisième ici, et il est plus là. C'était le même qui se tp. C'était pour simplifier, il y en a que deux qui se tp. C'est la magie d'Elden Ring. What? Donc ça n'avait rien à voir avec le pilier? Le truc c'est que j'ai rien fait de différemment d'aucune autre run. Pourquoi est-ce que cette fois-ci ils se sont percutés? Du coup le donjon est fini. Bah alors mec vraiment... J'ai rien fait de bizarre en fait. Je suis mort, je suis revenu au début et j'ai refait la run en fait. Je n'ai rien fait d'étrange. C'est le pilier. Ouais, il y a un rapport avec le pilier, c'est obligé, c'est obligé. J'ai rien compris. C'est la lumière dorée des piliers. Alors là, mec, vraiment, tu viens de gagner la palme de l'explication qui m'aide pas, genre. Via une lumière.
Le pilier invoque le chariot à un endroit via une lumière. Le pilier est resté activé même après ta mort. Oui, ça c'est normal. Les changements que tu fais dans un donjon restent même... Ah là, il y en a un qui vient de spawn sur ma tête. On a vu la lumière. Non ? En vrai, je sais pas. Touche pas au pilier. De toute façon, tout le monde est mort. Là, je descends, c'est la seule zone du donjon que j'ai pas encore explorée. Mais je suis je suis perplexe. Je suis extrêmement perplexe. Oust. J'ai la flemme de terminer l'autre. Il vivra sa life. Gauche ou tout droit? Ah. Chut, pas de bruit. Ah, il m'a entendu quand même. Stagger. 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 Dommage. Talisman à plume du creuset. Go à l'Indel, mec, j'y suis. Regarde la carte. Regarde la carte. Où est-ce que je suis? À l'Indel. Meilleur talisman. Ah. Meilleur talisman, tu dis. Hollow Knight est meilleur que Elden Ring sur tous les points. Je sais pas si c'est 100% correct d'affirmer ça. Ascenseur. Ascenseur qui monte. Ah, on va peut-être enfin avoir une explication de qu'est-ce qui s'est passé avec le pilier, genre. La seule explication à peu près rationnelle que je suis prêt à accepter, c'est tout en haut, il y avait un bug qui invoquait les chariots et il s'est fait cramer lentement. Mais du coup, ma question est comment ça a pu prendre 8 heures, en fait. Donc là, on est au-dessus de la pièce de tout à l'heure. Oh, il y avait un bug qui avait une lumière. Ouais, j'ai vu une lumière. Oh. Ah. Alors, ça a failli pas bien se goupiller. Attendez. Est-ce que je peux monter sur la... Non, je veux pas monter. Si, enfin genre... Non, pas vraiment. C'est complexe. Et donc la personne qui invoquait les chariots était ici. Herbe en vue. Quand je monte le pilier, les flammes vont ici. Donc la personne qui invoquait les chariots, elle était ici en fait. La lumière, c'est ce qui invoque les trucs. Quoi? Non, c'est faux. Ah mince, par contre si je tombe ici, je tombe. C'est la lumière qui l'a invoqué. Comment je monte là-haut? Il y a forcément encore un truc que j'ai pas compris. Personne invoque les chariots. Personne invoque les chariots, c'est vraiment... Attends, ouais, il a failli m'arriver la même. Prends le loot. Quel loot? Regarde l'explication sur YouTube. C'est peut-être la meilleure idée. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y avait un loot. Dommage. Hop là. Ah, je suis revenu là. Je suis revenu là? Ok. Possible de tenir le rebord du pilier? Non, c'est pas Assassin's Creed, mec. Bon, en vrai... Il est fini cet endroit, non? Il est logiquement terminé cet endroit, j'ai tout fait, genre. C'était pas le donjon le plus étrange de tout le jeu, en vrai?
Mec, c'était le donjon le plus bizarre du jeu. C'était le donjon le plus bizarre du jeu. C'était genre que des grands couloirs avec des chariots. Into, la suite du donjon était cachée dans le vide. Into, il y a eu un boss, mais c'était pas le boss de fin. Into, tous les chariots sont morts d'un coup. Pas 5 secondes, mais 10 minutes après que j'ai activé le pilier de flamme. Into, j'ai eu des loots qui n'ont rien à voir avec les chariots. Genre, les chariots sont morts et j'ai eu une armure de sentinelle de l'arbre. Mais genre, du début à la fin, il n'y a rien qui va. Et je peux même pas... Et à la fin de tout ça, je sais même pas comment aller dans l'ouverture où il y a la lumière de la... De la torche. C'est la lumière du pilier qui projette au sol une marque qui permet de se TP, le troisième chariot au milieu des deux autres, ce qui détruit les trois en les faisant se collisionner. Ah ok, quand j'ai monté le truc, la lumière est passée, elle a fait spawn un point de spawn pour le troisième chariot qui s'est mis entre les deux et qui les a fait péter. Je veux bien accepter cette explication là, mais c'est... Mais comment un mec qui genre déambule au hasard dans des couloirs et qui a pas le point de vue extérieur peut genre s'en rendre compte? Comment un joueur est censé comprendre ce qui se passe dans ce donjon là? Parce que t'es évidemment pas là au moment où la lumière filtre et... Ah bah... T'es évidemment pas là au moment où la lumière filtre et où elle commence à faire spawner. La difficulté de ce donjon, c'est sa terrible attaque psychologique. Tu es maintenant perturbé pendant 2 heures. Mec, je suis perturbé de fou. Mec, j'en reviens pas, genre. Je suis anéanti qu'ils aient fait un donjon pareil. Manivelle, levier, on tente des trucs. Hein, il y avait un levier. Ah, je me disais bien. Pardon, je suis perturbé. Je suis sous le coup d'une terrible attaque psychologique. Vous avez pas écouté le commentaire d'avant? Je sais pas quoi vous dire. T'as fini le donjon, mais le donjon n'a pas fini avec toi. C'est une catastrophe, ce donjon. Il va être 4h du mat et je vais regarder le plafond en mode, attends, comment le chariot a pu apparaître entre les deux? Et genre, quelle est la logique derrière la lumière? Et pourquoi une armure de sentinelle? Pourquoi une armure de sentinelle sur les chariots? Pourquoi pas loot l'armure de sentinelle sur une sentinelle complètement au pif? Comment est-ce que je sors d'ici par contre? J'ai 60 000 âmes et je suis... Comment je sors d'ici? J'ai 60 000 âmes et je suis presque prêt à les sacrifier pour juste me TP out. Avec la foi, cours où frère? Salle du boss, faudrait que je redescende jusqu'à la salle du boss. Si je redescends jusqu'à la salle du boss... Branche sacrificielle et suicide. Oh, c'est smart. Oh mec, c'est quoi? Ça me va. Ça vraiment, ça me va comme strat. J'en ai utilisé 0 du game en plus des branches. Elles sont où? Elles sont forcément quelque part. J'en ai pas en fait. Ah, talisman. Oh, super. Hop. Pourquoi j'ai ça? Augmente grandement l'immunité. En cas de mort, perdu à la place de vos runes. Hop, adios le donjon. C'est bon. Je peux pas te TP si mec, regarde. Regarde mec, je me TP out. C'est une méthode. Hop là. Je suis très content de faire don de cette branche sacrificielle. Fox donjon, vraiment, augmente grandement l'utence maximum, mais en plus, le médaillon est phénoménal. Hop là, merci à tous. Tu pouvais au moins tenter de passer dans le feu d'or, mec. Je veux plus entendre parler de ce donjon. Je veux level up et plus jamais revenir. Et c'est l'armure, vas-y, c'est l'armure. Du coup... armure arboriforme, armure de sentinelle de l'arbre. Grandement résistante, blablabla. Oh là. Oh, je fais peur de fou. On dirait un...
Je réalise seulement maintenant qu'avec le masque et ma couronne autour, je ressemble à une sorte de truc dans les fêtes mexicaines du jour des morts. Comment ça s'appelle déjà? C'est toutes les dorures. C'est toutes les dorures qui font ça. Là, je fais extrêmement peur. Par contre, je suis très lourd. Dia de los Muertos. Dia de los Muertos. Je ressemble pas à un truc dans une église le jour de la fête des saints mexicains, genre? Enfin, pas des saints, des morts. Trop de jaune. Bon, là, je suis vraiment doré. Là, je suis vraiment extrêmement doré. Bon, de toute façon, l'armure n'est pas portable parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Rip. Ok. Très bien. Ça vous dirait qu'on aille à l'Endel? J'ai passé combien de temps dans toutes ces bêtises? La catacombe là-bas était infernale. Ce truc-là, c'était infernal. Il m'a retourné le crâne, ce donjon. Je sais même pas comment remonter. Si, je vais tout au bout, il doit y avoir des... C'est quoi la route pour se barrer, genre? Uptime. Ah, il est déjà 18h. Peut-être la prochaine fois, Linda. TP. Ah, TP. C'est pas con. Non, mais en fait. Bah, non, mais TP, c'est super loin, mec. Non, mais TP, c'est super loin, mec. Je vais trouver une route. Je vais trouver une route, relax. T'as le courant d'air, je vais trouver le courant d'air. Il y a forcément un courant d'air. Il est où? Il y a la colonne d'air. Ouais, c'est elle que je cherche. Non, mais voilà, même pas besoin de la colonne d'air. Aveugleman, demi-tour, derrière. Non mais c'est bon, j'ai trouvé une route. Je pensais, la colonne d'air était là. Bon, elle est pas là, c'est pas grave. Je suis pas aveugle, je viens de faire 3 fois le tour. Elle pouvait pas vraiment être là. Ou alors elle était cachée derrière un caillou, je sais pas. Oh, les archers sont revenus. Non, j'avais tué que celui qui est à droite. J'avais tué que celui qui est à droite et après je m'étais laissé tomber. C'est vrai. On se fait l'archer, parce que les archers ils ont le bon goût de pas respawn. Et Lindel. Il me tire pas dessus. Excellent. Qui es-tu? Sentinelle draconique. Excuse-moi, frérot. Draconique. Ah, mais c'est lui le boss, du coup. Mais en fait, c'est le boss d'entrée, genre. Il fait des flammes. J'aurais pu m'en douter. Quelque chose dans Draconique aurait dû me mettre la puce à l'oreille qu'il pouvait éventuellement faire des flammes. Oh! Et non. Peut-être un peu de heal avant de se faire bêtement one-shot. Et non. Et raté. Voilà. Et non. Petit dodge. Let's go, torrent. You and me. Ah. Hop. Honnête. Petit coup de bouclier dans le vide. Parce qu'il est nul. Petit coup sur lui parce que je suis trop fort. Oh, il est stagger, le pauvre. Ah, je pensais que j'allais finir. C'est dommage. J'aurais pas dû descendre. Bam. Attaque sautée. Parfait. J'ai compris tous les patterns. C'était simple. Griffe draconique. Bouclier. Oh là là. Lindel, messieurs, dames. Après moult péripéties. Après une ou deux distractions plus ou moins justifiées. C'est quoi là-bas? Lindel. Par contre, j'entre vraiment. C'est honteux. Pourquoi j'entre par la petite porte comme ça, genre? Cut le life. Et cut le life, ce serait rigolo. Il y a très clairement un côté, tu crois que t'es le héros de cette histoire, mais vraiment on te fait entrer par la petite porte et
Sache que t'es personne. Super. On en reparlera quand j'aurai no hit toute la zone. Hein, From Software. Il en est à combien d'heures de jeu à peu près? 4. Fortement en train d'entamer ma cinquième là. Comment ça se présente du côté de Lindell en fait? Quel genre de mob on affronte dans ces contrées? Salut. C'est très joli. C'est très paisible aussi. Ça va mon gars? Il y a des musiques de zone. Ce qui est un truc que je continue à trouver très bizarre dans un Souls. Il n'y a pas de musique de zone normalement, juste des musiques de boss. Ça me perturbe qu'il y ait des musiques de zone dans Elden Ring. Bonne avancée, je sais pas, mec. Moi, j'aimais bien qu'il y ait pas de musique dans les zones. Un Drake! Oh, sacré Drake. Oh, il y a une porte dans l'arbre. Messieurs, dames, il y a une porte dans l'arbre, en fait. On peut aller dans l'arbre. C'est marrant, il y a l'écorce extérieure qui brille, mais l'écorce intérieure, non. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais wesh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est marrant, ça. Ils se sont amusés à faire les toits dorés, genre. Ouverture impossible. Ça va mon gars? Est-ce qu'on est sur un... Est-ce qu'on est sur un truc de type si j'en attaque une, c'est pote magro genre? Oh, il faut des petits bruits! Et il lance des bulles aussi. Oula. Oh, un gros! Ruine dorée. Intéressant. Bubule. Oh! Kezako! Une gargouille! Une gargouille, il faut rouler à travers, vite, 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 vite. Ah, est-ce qu'on va en dessous? Si j'ai en dessous, je risque de pas pouvoir remonter. Oh, c'est très joli. Oh, c'est très joli. T'es overlevel de fou? Je préfère partir du principe que je suis overskilled. Ça va, mec? C'est la capitale qui est underleveled. Ok, donc on a très clairement... Waouh.
Ok, ça prévient leurs potes quand même. Ça prévient leurs potes quand même, mais si ça se trouve, ils m'auraient aggro quand même en me voyant. Ok, alors... Un ascenseur qui mène à la suite de la zone. Je vais aller explorer ce qu'il y a au fond de cette route avant quand même. Salut. Elle se déplace en faisant des petits tourbillons. C'était donc une embuscade. Bam. Ils sont vraiment adorables ces petits bureaux avec plein de trucs dorés et des petites plantes partout. Genre, c'est une extrêmement bonne idée d'avoir mis des plantes sauvages partout, comme si ça avait poussé de partout, parce que le vert va trop bien avec le doré des objets en fait. Et ça rend la zone vraiment belle. Pas juste abandonnée ou mystérieuse, tout ce que tu veux, ça la rend vraiment jolie, genre. Je suis revenu là. Ah ouais, super. C'est les bureaux des parfumeurs, si seulement on savait c'est quoi un parfumeur. Si seulement on avait suivi le lore. Qu'est-ce qu'un parfumeur, en fait? Ok, on est vraiment... Là, on est dans les rues. On est dans les rues et on doit être dans la ville basse. Non? Non, ça doit être ça, la ville basse. Il faut pas qu'on oublie que de trouver un puits dans la ville basse pour aller dans les égouts. Oh non. C'est un lanceur de poudre. Je le reconnais. Mon némésis. Il a fait de son mieux. Échelle peut-être? Vraiment? Ça sentait la fin. Ça sentait la fin pour ce parfumeur, pas mal. Pas mal. Oh, ouais, non, mais là. Ouais, mais là, on est à un endroit où je peux partir dans 14 directions différentes en fait. On va se perdre, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est vraiment terrible, hein. Quand ça commence à spammer la poudre, vraiment. C'est un vrai dédale, mais ouais, ça se voit que c'est un vrai dédale. Il reste quoi dans cette ville? Des assassins, des parfumeurs et des joueurs de trompette. Qui sont les trois castes qui vont survivre au moment de la fin du monde? Les assassins, les joueurs de trompette, les parfumeurs, genre. Très bien. Franchement, je vais aller là où le vent me porte et juste courir dans une direction jusqu'à tomber sur un truc intéressant. Par exemple, en haut de cette tour. Malédiction du semi. Malédiction du semi. Ça ressemble à un talisman. C'était pas du tout un talisman, dommage. On trouvera peut-être un jour ce que c'était. Je crois que les joueurs de trompette sont... C'est un objet clé. Courons de toits en toits. Oh, il y a des dogos. Merci pour le sub, Nouilik. On a un shield. Très utile ton shield, frérot. L'arme de Radahn est un petit peu stupide en effet. Légèrement idiote. Ah, salut. Et tu viens d'où? Ça se permet trop de tomber du ciel sans aucune explication dans ce jeu. Hein. Tout le monde le fait.
J'étais midlife, je crois que c'est ma faute, j'étais vraiment midlife. T'as cru quoi? Non mais oh! On est où là? Ah je suis revenu, là, mais je suis si loin. Oh je suis si loin, j'avais fait tellement de route. Up ta vie, ça sert à rien d'avoir 70 en force, mec, ça sert à mettre des grands coups à 900 sur les boss. Salut. Aïe, mais enfin! Arrête! Ils peuvent voler, ils sont vraiment adorables, ils peuvent flotter dans les airs. Dommage. Ok, il peut orienter un petit peu le sens dans lequel ça va. Donc lui, il respawn et il me donne 3000 à chaque fois. Petite dinguerie en vrai. Ici, j'aurais dû... Oh ! Comment est-ce que je rappelle notre ami l'ascenseur ? Ok. J'aimerais bien récupérer mes âmes quand même. Mousse des cavernes ? Oui. Il a fait la quête des doigts sanglants ? Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout, frérot. Je vais renvoyer l'ascenseur. Des fois que je me fasse un nouveau one shot. Salut. C'est vraiment, c'est très très important de pas laisser mettre les mains dans les poches. Je suis perdu déjà. Je suis perdu, c'est pas du tout là que j'étais allé. J'avais monté. J'avais monté en fait. Ou j'avais descendu. Ouais, j'avais monté, hein. J'avais monté, puis j'étais allé sur les toits. Non, mais la zone est immense. Immense. Ouais, ici, eux, je les avais tués. À peu près sûr. Ah. Oh, t'as failli me coûter 50 000 âmes, toi. Très bien, on le refait. Il va délicatement se poser au milieu de la rue. Non ? C'est fini ? Ok. J'y comprends rien. Mais ok. Et non! Let's go! Ah! S'il vous plaît. Presque. Presque! Let's go! Rune du Seigneur, yes, merci bien, ça fait plaisir. La ville est clairement gigantesque. Il faudrait clairement y passer 3 heures pour explorer toutes les routes. Salut. Salut. Je mets quelques dégâts quand même. Rune dorée 12. Est-ce que j'ai le droit de mettre un backstab avec ces armes incroyables? Apparemment non. Pas grave. Faut sécher anti-food. Fais gaffe avec cette vigueur, c'est un boss plus tard te one-shot. Un boss plus tard peut pas me one-shot si je le one-shot avant. En fait mec, c'est juste ça que t'as pas considéré. Plus comment pourrais-je me faire one-shot quand j'esquive toutes les attaques en fait. Non. Pas trompette. Trop tard. Trop tard, il les a tous alertés. Il y a des dogs. Les problèmes. Oh non! Un parfumeur! Il y a un parfumeur qui est perché là-dessus. Ouais, c'est clairement les problèmes. Non, il est pas perché, ok. Il est pas perché. C'est infernal. C'est infernal, au secours!
Il manquait pas grand chose. Ah. Alors, c'est quoi la strat? Il fait extrêmement mal avec ses flèches. Hop là. Frère, il n'arrête jamais de se battre, au secours. C'est bon. Pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. Oh. Le puits, attendez. Le puits, c'est la ville basse? Mais c'est pas la ville basse du tout. C'est ça, c'est sûr. Oh, c'est ça, c'est sûr. C'est un puits, ça? Frère, c'est vraiment un puits que dans une ville qui est extrêmement fancy, ça. C'est pas ça du tout. J'ai vraiment cru que j'allais déboucher. J'ai cru que j'allais déboucher dans les égouts. J'ai débouché dans la ville. Mais c'est la ville basse maintenant. Donc le puits doit être quelque part par là. C'est quoi ça? Ouais, je vois. C'est le mec que j'ai déjà croisé dans le volcan. Ok, mec. Viens là où on a un tout petit peu plus d'espace. Un spammer encore, c'est tous des spammers, mec. Y a rien dans ce game qui n'est pas, qui ne spamme pas. Oh, une grâce. Une armure de Lionel. Et une robe mortuaire. Une grâce, pas mal du tout. Comment ça va? My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Elle est en train de me quitter. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength. Here. With you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Je viens de me faire plaquer en live. Elle m'a quitté en live. Une de perdue, 10 de retrouvée, tout ça. Putain, et toi t'as respawn en plus. 1, 2, 3, à moi. Elle me méritait pas, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Je mérite une meuf qui m'adresse la parole plus qu'une fois tous les 6 mois en apparaissant à un feu de camp. Je me dis. Oh, mais attendez. Je suis tombé sur un rat. Je suis marié avec Rani. Ah, c'est vrai. Oh, il y a des araignées. Fuck. Ah, ça, par contre, si ça, c'est pas les égouts... Hop là, moi les papillons. Mais qu'est-ce que vous me voulez tous? Pourquoi est-ce qu'il avait si peu de vie, lui? Non. C'est pas les égouts, ça? Oula. Ça va, mec? Je distribue de ces baffes quand même. Pourquoi j'ai perdu Mélina? Elle a dit c'était pas moi, c'est elle. Donc techniquement j'ai rien fait en fait.
Oh, je suis au pied du Drake. Je suis sur l'aile du Drake. Ok, un dragon de cette taille a pu mourir de quoi? Genre, qui dans ce jeu peut poser le moindre danger à ce dragon, genre? Très franchement. Cherche les égouts avant. Ah, mec. Mec, c'est trop tard, mec. Tu vois pas que je suis en train d'escalader un dragon? Je vais là où le vent me porte. Arqueur unique. Godwin the Golden. Mais c'est pas le mec. C'est pas le très ancien Godwin the Golden. C'est pas le premier Elden Lord qui a genre disparu il y a genre 1000 ans et on sait pas pourquoi. Ça veut dire que ça fait 1000 ans qu'il a laissé le corps du dragon au milieu de sa ville, genre. Il a disparu il y a 6 heures. Non, le premier c'est Godfrey. Ah ouais, ok. Godwin, c'est celui tué par Rani. Ah. C'est incompréhensible. J'ai juré, le lore est incompréhensible. Et je suis quelqu'un qui pense qu'il a compris le lore de Dark Souls 1. Et je vous jure, le lore d'Elden Ring est incompréhensible. Je pense qu'on a atteint un tout nouveau level de flou. Je vous jure que le principe de la flamme, c'est le changement. Et l'éteignage de flamme, c'est l'immobilisme, était plus simple à comprendre que les liens familiaux et les personnages de Elden Ring. C'est la patte J.R. Martin. En vrai, c'est la patte... En vrai, c'est la patte de quelqu'un d'autre dont je ne peux pas décemment dire du mal, mais c'est la patte d'un connard qui s'appelle Tolkien et qui aime vraiment bien quand la même histoire comprend genre 65 personnages plutôt que 3. Ouais, c'est bon, je tire le levier. Mec, à chaque fois qu'on me parle du lore de Elden Ring, j'ai l'impression d'être perdu, page 857 du Silmarion, à me dire « Non, mais tu comprends... Tu comprends, le quatrième seigneur elfe de la cité de Nargothrond qui s'appelait Flibleblup n'a rien à voir avec Flibleblup l'ancien du deuxième âge ou Flibleblup le jeune du premier âge. Rien à voir, mec. Genre, frère, pitié, genre. Épée canne. Ok. Oula. Oh, il a l'air extrêmement commode, lui. J'ai zéro capacité à mémoriser les noms. Oui, et ils ont fait... Non seulement ils en ont mis 3 fois plus que nécessaire, mais en plus ils leur ont mis des noms extrêmement semblables à tous. Et ils sont tous mentionnés une fois toutes les 6 heures. Donc tu vois, on t'entend parler de Gothric, et puis 5 heures après, t'entends parler de Gothrond, et tu sais pas trop si c'est le même ou pas. Genre, pff, faut aller se faire foutre. Je vais taper ce mec pour passer mes nerfs. Mais encore, il m'a dodge. Je l'ai dodge aussi parce que je suis trop fort. Il a tué un joueur de trompette qui ne demandait rien à personne. Oh vraiment. Oh, les joueurs de trompette qui passent pas la meilleure journée. Allez hop. Messieurs, dames, je sais pas où je vais, mais j'y vais avec énergie et conviction. C'est une grande route, elle est jolie, le jeu a clairement envie que j'aille dans cette direction. Regardez. Regardez, ça ne peut pas ne pas être un truc important. Genre. Salut. Utilise le grappin. Arrêtez avec cette blague. Ah mince, attendez. J'ai raté cette église. Il y a un boss dedans. Je suis censé monter sur la branche?
Oui, je suis censé monter sur la branche en fait. Ah! Est-ce qu'on monte sur la branche? Est-ce que je continue à aller jusqu'à mon colisée ou est-ce que je grimpe la branche pour aller voir ce qu'il y a dans l'église? Les égouts avant ça, pitié chef. Continue, TKT. Techniquement, c'est un rhizome. Colisée, colisée. Tu peux faire les deux, ouais. Bon, allez, on fera les deux. TKT, y'a rien au colisée. Oui, bien sûr, y'a rien au colisée, frérot. Tu m'as pris pour une banane. Talisman de bouclier rituel. Colisée royale. Putain, t'avais raison, y'avait rien d'important. Juste du PVP. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui veut m'affronter avec mon build stupide? Type de combat, duel. Cendre interdite. Mot de passe, renard. Renard sans dé. Colisée royale. C'est parti. T'es level combien? 96. Je... Renard sans E. Renard sans rien. R-O-N-A-R. Je vais me faire monter en l'air. Je m'attends à 2000% à me faire monter en l'air. Je m'attends à ce qu'un mec débarque. Je m'attends à ce qu'un book débarque avec une arme dont j'ai jamais entendu parler. Qui lui... Mais genre, tu sais, des trucs vraiment... Des trucs improbables. Je m'attends à ce qu'il fasse du multiclonage et qu'il soit 8, genre. Je m'attends à ce qu'il se transforme en fumée. Je m'attends à ce qu'il se transforme en nuage, tout est possible, genre. C'est comme tous les jeux Elden Ring. Tu crois que le PvE est dur jusqu'à ce que tu t'essayes le PvP, genre. Et là, tu comprends les vrais problèmes. Il y a une arme qui fait Kamehameha, mais c'était sûr. Quelqu'un qui va te fumer avec un bouclier, c'est très possible. Il y a le cross-platform. Je sais pas trop. C'est sûr ton adversaire verra ta cam. Ouais. Et tu penses qu'il va lire ce que je m'apprête à faire dans le... au fond de mes yeux? Personne veut m'affronter. Personne ne veut m'affronter. J'ai peut-être pas le level auquel les gens font du PVP. On a tous désinstallé, le jeu est sorti il y a un an, je comprends pas ce que tu veux dire, mec, je suis parfaitement à l'heure. Oh putain, si j'avais fait le jeu il y a un an, je me serais pas mangé la question, est-ce que c'est ta première run 14 500 fois. Putain, c'est la dernière fois que je suis à ce point à la bourse sur un jeu. C'est la dernière fois. Oh, oh, un duel. OMG, un duel. Vectus. Attendez, comment on fait pour saluer quelqu'un? Ok, c'est pas l'emote que je voulais, mais je fais ce que je peux. À nous deux. Il a l'arme de Dark Maul. Il s'est téléporté, frère. Il s'est transformé en courant d'air. Regarde ça. C'est un ninja. Il est plus rapide. Il est vachement rapide. Super. Il est agile. Foufou. Il m'a fait le rien de personnel, Kido. Super. Je me suis fait des pop. Pour un mec aussi rapide, il fait beaucoup de dégâts, je trouve. Après, j'ai pas beaucoup de vita. Il a un peu de dex. Comment tu peux win contre ça? En étant encore plus fast, je pense. Équipe ta fiole. Ah. Je vois ce que tu veux dire. Bon, voilà. Je m'attendais.
ce qui lui est arrivé pendant que j'étais pas là, lui. Mais oh. Du coup. Oh, on peut monter par là. Snap review à M-Stock. C'est vrai que j'ai déjà tué, c'est-à-dire que pendant que je me battais en PVP, quelqu'un est venu et genre l'a planté dans le sol. Ah mais il y a des étages supérieurs du Colisée en fait, non? Pour seigneur, ouah. Wow. Personne malfaisante, menteur. J'ai vu un conseil sur la règle des 3 coups, si tu peux pas tuer un trash mob en 3 coups, alors tu n'as pas le niveau assez élevé. Donc pauvre review, le joueur t'observe comme un trash mob. Non mec, ça lui a pris 4 coups. Je suis de 1 hit dans la catégorie pas un trash mob. Eh. Pierre de forge. Si tu vas sur la branche, tu zappes totalement la zone. Quelle zone? Lindel? Cette branche? Est-ce que je peux me laisser tomber? Non, c'est bien trop. En vrai, je dirais pas non à avoir droit du canasson ici. La zone est vraiment grande. Jusqu'à preuve du contraire, tu l'aurais one shot. Hey. On saura jamais. On saura jamais, mais la postérité retiendra que probablement je l'aurais one shot. Mais qu'est-ce que... Non mais c'est quoi le problème de ce mob? Il peut pas juste être tranquille une fois qu'il est mort? Insupportable. Ok, du coup. Oh, un dog. Encore un dog. C'est des cendres, le truc blanc dans lequel je marche depuis tout à l'heure, c'est des cendres, vous pensez? Et si oui, qu'est-ce qui crame, genre? Oh non, il vit. Va sur la branche, le reste c'est Osef. Ouf. Infernal ça. Le reste c'est Osef. Ah bah je sais où on est. On est revenu à l'ascenseur. Non? Ouais, on est revenu à l'ascenseur 1000%. Tableau. Oiseau inapte au vol. On n'est pas très loin. Si, si, mais on est là à 1000%. On est juste à côté de la cour intérieure. Et lui, je lui ai pris son objet la dernière fois. De quel ascenseur il parle? Mais non, mais vous voyez de quel ascenseur je parle. Je parle de cet ascenseur-là, genre. Qui me permettait d'entrer à l'arrière de la ville. Vous voyez très bien de quel ascenseur je parle. On est à deux pas de la cour intérieure où l'ascenseur permet de monter à l'autre porte. Vous voyez ce que je veux dire. Carreau torsadé. Brévière des deux doigts. Ça te fait pas penser à la table ronde? C'est les mêmes... Ouais, c'est les mêmes assets, mais genre en vrai, ça aurait été aussi les mêmes assets dans les cuisines du château de Voilorage, genre. Ah oui, non, t'as raison, c'est l'endroit d'où tu... Ah non, t'as raison, c'est l'endroit où t'affrontes un fantôme et tu te laisses tomber d'en haut et ça tombe là. Ah, je vois. Je vois. Par contre, ça c'est pas du backseat, frérot, c'est juste texto du spoil.
Ah ok, et là c'est la cour intérieure. Non mais ça c'était pas du backseat hein, j'espère que vous avez honte de vous. Ok, et j'ai retrouvé le... Ok, j'ai retrouvé l'ascenseur. J'ai retrouvé l'ascenseur, let's go. Du coup... Faut aller monter sur la branche maintenant. Non, probablement pas aller monter sur la branche maintenant, je suis fatigué, il est genre bientôt 19h. On va finir Lindell demain, ça vous dérange pas? Je me suis fait attraper. Elle a un point de vie. Et hop! Comment ça c'est pas du backseat? Je suis désolé, elle est à la table ronde. Tu te rends vite compte que c'est le même endroit de mort. La question est très simple, Puzzle. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le savais à l'avance? Est-ce que tu avais déjà vu cette zone? Est-ce que tu avais déjà fait le jeu? Si tu avais déjà fait le jeu et si tu avais déjà constaté ça par toi-même, c'est du spoil. Si tu viens de te faire la remarque que ça ressemble à la table ronde il y a une seconde pour la première fois de ta vie, c'est du backseat. J'ai déjà fait le jeu. Ton sort est scellé. Bannez-le pour au moins 30 secondes. Ça suffit. Ça suffit ces bêtises. Ok les amis. On s'est bien amusé. Je suis fatigué. Il fait froid. Froid, mais qu'est-ce que je raconte? Chaud, il fait chaud. Et Lindell, c'est bien. Je suis un peu abattu de ne pas avoir trouvé le boss de Lindell. Et je réalise également quoi. Voilà. Demain, on continue à streamer. Demain, on finit Lindell. Il fait froid. Je suis à dire n'importe quoi. Je suis toujours sous le coup de l'assaut psychologique du donjon de tout à l'heure. J'en reviens toujours pas que genre... Non, frère, vraiment, c'est un ravagé. Le mec chez FromSoft qui s'est dit... Non, il y a un gars chez FromSoft qui s'est dit « Ok, la clé du donjon, c'est frère. On va lui faire tous les trucs. Il va activer une tour. Il le verra pas, mais la lumière cachée dans la tour... passera à travers une fenêtre, fera apparaître un seau, et il entendra les chariots se rentrer dedans, et là, il se dira, oh putain, le designer du donjon est un génie, j'ai plus qu'à sortir de là, fils de... C'est trop grave. Ok. Un jour de canicule à 40 degrés, il fait pas 40 à Paris, frère, il fait froid. J'ai été obligé de sortir avec une veste hier. Vous voyez Edward qui nous arrête tout à l'heure. Edward, hier quand je suis allé là où il était pour faire le truc qu'on a fait, j'avais une veste. J'ai dû mettre une veste en juillet. À quoi bon vivre en fait? Il parle de quel donjon? Comment ça, point d'interrogation? Il fait genre 24 à Paris. Vous vous rendez pas compte des températures polaires qu'on affronte actuellement. Hein. Il y a des petits gens dans le Var, ils vivent leur meilleure life, 45 degrés à l'extérieur, ils sont trop heureux. Et nous à Paris, polaire. Non, vous réalisez pas ce qu'on a affronté. J'envisage de rallumer le chauffage. Trop heureux, trop chaud. Alors ça c'est marrant, Dryden, le concept de trop chaud n'existe pas en fait. Il fait jamais trop chaud, genre il fait trop froid. Pas faire trop chaud. Trop chaud, c'est comme genre trop heureux. C'est pas un vrai truc. 45 degrés, le PC va pas aimer. T'inquiète, mec, je mettrai de l'eau dessus. On sait qu'il est capable de survivre à ça maintenant, donc je lui donnerai à boire. Il fait 38 ici, mais mec, qu'est-ce que je serais heureux s'il faisait 38 chez moi, là. Trop froid, tu mets un pull. Trop chaud, une fois à poil, t'es baisé. Mais tu n'as jamais trop chaud, en fait. T'es à poil et t'es heureux. Au pire, s'il fait trop chaud, tu peux donner de l'eau à ton PC. Exactement. Ça se voit, t'as pas souvent connu des journées à 40 le jour, 30 la nuit. Je connais ça 2 semaines dans l'année quand c'est la canicule à Paris. Et après, j'ai froid à nouveau et je suis à nouveau triste. Va bosser dehors quand tu fais 40. Bosser, je veux bien. Non, en vrai, si tu bosses, particulièrement si tu bosses en extérieur, genre des trucs fatigants, genre construction, je veux bien que ce soit la mort. Vous avez le droit de râler sur la chaleur si c'est pour des raisons professionnelles, mais si vous êtes avachi chez vous, trop chaud, ça n'existe pas. Mettez-vous à poil et soyez heureux. La température idéale de ma chambre, c'est 18 degrés. Ben, t'es...
Un démon des glaces. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Sortir quand il fait 40 égale la mort. Non, mec. C'est trop grave. C'est trop grave. Je peux pas retirer ma peau. Faut que je déménage dans le Var, en fait. C'est tout ce que ça signifie, en fait. Et je laisserai ma place à Paris à quelqu'un qui aime bien se geler les couilles. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Viens à Toulouse, bro, on est bien. Mais non, mais mec, si je vais à Toulouse... Je peux pas aller à Toulouse. Je peux pas aller à Toulouse, je vais être obligé de me mettre à parler avec l'accent du sud-ouest. Je vais être obligé de m'intéresser au rugby. Qui a le temps pour ça? Oh, la ville rose. Viens à Quimper, jamais, frère. Jamais. Tu veux dire rugby? Très bien. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé Elden Ring. Tout ça. Est-ce qu'il y a un individu sympathique sur Twitch.tv que je peux éventuellement raid? Je sais pas pourquoi je suis motivé à raid quelqu'un aujourd'hui. On dit Ruby. Je veux pas vous entendre. Twitch.tv. Baf. Je suis finalement plus inspiré à raid qui que ce soit. Bardinette, Zera. Zera, je le connais pas du tout. Zera, je le connais pas du tout. Genre, ça reviendrait à ce que ma première interaction ever avec lui soit raid son live. C'est pas un peu étrange? Un peu étrange quand même. Bref. J'ai changé d'avis, j'ai la flemme de réfléchir à qui raid. Je vous aime beaucoup. Demain on finit Leyndell, voilà. Salut, les amis. Ouais, exactement comme ça.